Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Une émission qui se flatte de ne pas plaire à tout le monde. Au programme de cet épisode, a-t-on le droit d'être islamophobe ? Eh ben moi, je défends mon droit à détester l'islam, à pouvoir m'en justifier publiquement l'idéologie islamique, sans forcément qu'on me dise que ça va de pair avec une haine que je n'ai pas pour des gens en raison de ce qu'ils croient. Et en seconde partie, entre violence et homophobie, faut-il rééduquer les supporters ? J'ai des amis noirs à moi qui peuvent appeler un autre noir « ça va mon noir » et je sais que ça passerait pas si c'était un blanc qui disait au noir « ça va mon noir ». Vous voyez, la même expression qui pourrait paraître raciste par l'un et pas par l'autre. Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est un écrivain et un célèbre blogueur français. À 18 ans, il tourne le dos à la religion musulmane. À 30 ans, dans « Il était une fois l'islam », il fait une critique implacable des fondements scripturaires de l'islam. Pour lui, l'islam est une religion violente, misogyne et liberticide. Très récemment, sur sa chaîne YouTube, il poste une vidéo intitulée « 5 raisons de ne pas se convertir à l'islam ». Comme vous le constaterez, cet ancien musulman fait preuve d'un courage exemplaire. Je vous demande d'accueillir le courageux Majid Koukacha. Monsieur Koukacha, bienvenue à Bistro Liberté, installez-vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci, c'est l'heure de la rentrée. C'est l'heure de la rentrée, d'ailleurs j'ai vu un cadeau du producteur et du réalisateur, il n'était pas nécessaire de me mettre Yann Moix, je ne me rappelle plus, je crois que c'était une émission de On n'est pas couché, ça devait être en avril 2017 de mémoire, et il recevait Jean Lassalle, et alors là je crois que j'étais devenu le grand Satan pour Yann Moix, grand Satan, pourtant ni par mon attitude ni par mes écrits, moi je n'ai à demander pardon à qui que ce soit. Bon allez, c'est pas grave, on va passer à autre chose, Majid. Koukacha, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous et avec votre ouvrage « Il est une fois sans S, l'islam ». Et bien évidemment, vous êtes un personnage, une personnalité maintenant qui attire toutes les attentions parce que vous avez déclaré avoir été musulman jusqu'à 18 ans, mais vous avez été musulman, dites-vous, jusqu'à 18 ans par endoctrinement. Et vous avez renié votre foi. Oui, alors renier, j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément le bon verbe à utiliser, parce qu'il y a un côté un peu, je sais pas, trahison, mais vu que j'ai été endoctriné depuis l'enfance, le moment venu, effectivement, je me suis posé des questions. C'est tout un cheminement, en fait, intellectuel depuis l'enfance et l'adolescence. Et vers l'âge de 18-19 ans, effectivement, au paroxysme de tous les doutes que j'ai toujours eus, et ben voilà, j'ai quitté l'islam. Et je pense la singularité qui fait que je suis connu, je pense, dans l'espace politico-médiatique, d'Internet avant tout, bien évidemment, c'est que j'ose critiquer l'islam et les fondements de l'islam, pas juste utiliser des euphémismes ou des passages déguisés pour dire islamisme, mais bien dire que c'est l'islam en tant que tel qui me pose un problème d'un point de vue qualitatif et de le défendre clairement, à visage découvert. Voilà. On va parler, on l'a vu tout à l'heure, à l'instant, on va parler de cette question de l'islamophobie, mais... vous avez quitté, alors, vous avez tourné le dos à la religion musulmane, mais vous êtes devenu agnostique. Oui, exactement, oui. Vous croyez à rien ? En rien ? En fait, aucune transcendance ? Agnostique, c'est une position comme si vous répondiez vous à un sondage. Vous avez 33 ans, en plus. Oui, et puis que vous cochiez la case « ne sais pas », c'est-à-dire que ne pas croire en quoi que ce soit, croire, pour moi, c'est pas spécialement valorisant par rapport au savoir, et je préfère ma position... prudente, qui consiste à dire qu'aucune religion ne m'a convaincu, que je n'ai pas spécialement la preuve que Dieu existe. Je pense qu'il faut définir chacun des termes, c'est très important, parce que dans notre monde d'aujourd'hui, les valeurs, les termes sont assez subvertis, et je ne m'interdis pas de croire qu'il existerait un Dieu sous forme singulière ou plurielle, qui soit une définition beaucoup plus large que la définition théo-exhibitionniste, c'est-à-dire un Dieu qui forcément devrait se montrer aux humains, alors qu'il pourrait exister un Dieu qui soit très lointain, et peut-être même un Dieu qui enverrait en enfer les gens qui sont assez, entre guillemets, c'est juste une hypothèse que les croyants autour de cette table ne se vexent pas, assez stupides pour y croire, alors qu'il a fait en sorte de ne jamais envoyer de signal, de preuve qu'il existe, tandis qu'il enverrait les gens prudents qui ne croient pas en lui au paradis. Vous voyez, on pourrait inverser le pari de Pascal, quoi. Mais on pourrait avoir cette discussion-là. On ne va pas l'avoir, cette question. Vous êtes le Julien Lapostat de l'islam, alors. Pardon ? Vous êtes le Julien Lapostat de l'islam. C'est-à-dire L'empereur Julien, qui avait été élevé par les chrétiens, lorsqu'il est arrivé à la tête de l'Empire, a renversé totalement sa religion et n'a pas été très tendre avec la chrétienne.
Ben, je pense que c'était un autre contexte, effectivement, à l'époque. C'était un autre contexte, oui, voilà. C'est clair. Mais en tout cas, je fais ce qui me semble être simplement du bon sens et normal, et c'est vrai que ça ne devrait pas, je devrais pas être connu spécifiquement pour ça, je devrais être un blogueur parmi d'autres, mais effectivement, à cause des menaces de mort que je reçois, à cause du fait que ce soit un sujet très très sensible dans l'espace politico-médiatique, Mais je rêve effectivement un jour d'une France où des Majid ou Kacha qui se montrent, qui critiquent l'islam, il y en aurait des milliers. Je serais qu'une pierre dans la mosaïque de cette dynamique et du coup que tout ne se focalise pas forcément sur moi. Majid ou Kacha, vous affirmez que tous les musulmans ne sont pas des islamistes. La présence en France de femmes imams, mais aussi maintenant des prières mixtes qui apparaissent. Est-ce que vous considérez que cela est une avancée, un progrès, que ça va dans que c'est le bon sens ou qu'on est devant un gadget? Un coup de pub ou même un leurre? Alors, il faut être prudent parce que je ne sais pas qui autour de cette table connaît forcément vraiment tout mon travail, tant écrit que vidéo, mais si vous leur présentez comme ça le fait que j'ai dit à un instant T dans un argumentaire précis « tous les musulmans ne sont pas des islamistes », je pourrais aussi préciser à côté de ça que j'ai prétendu… À causeur. Voilà, mais c'était un petit argument dans une réponse entière, mais par exemple, je dis aussi que l'islam est islamiste par essence. Mais sinon, la réalité statistique voulant que tous les musulmans ne soient pas islamistes, c'est effectivement la vérité. Après, je ne suis pas stupide, je sais bien qu'on est dans un contexte aujourd'hui où, à travers ce gadget, effectivement, que vous défendez, même si je ne veux pas dévaloriser ces deux femmes imams, je ne les connais pas, je n'aime pas juger les gens que je ne connais pas, peut-être qu'elles croient vraiment en ce qu'elles font. Je suis persuadé que les islamistes sont très contents qu'elles existent parce que c'est un, comment dire, c'est une victoire. Non, mais disons que ce qu'elles font et qui est assez atypique d'un point de vue statistique, ça participe effectivement au relativisme qui permet de dire, bah, vous voyez, on peut être très bien être un imam moderne, ouais. mais j'ai envie de dire que, admettons que ce soit un gadget, en fait, ça n'a pas d'importance pour moi parce que l'islam, c'est en réalité des enjeux très concrets en termes de sécurité, en termes d'insécurité tant physique que culturelle en France, en termes même d'incompatibilité de mode de vie, peut-être on en parlera, entre le fond libertaire et égalitaire des lois occidentales, tandis que l'islam, à travers le monde, on peut prouver de façon statistique et sur le long terme que c'est quand il est dominant et quand il est majoritaire, ça produit toujours de la misogynie, ça produit toujours du conflit interreligieux. Et effectivement, je pense que se focaliser simplement sur ces petits épiphénomènes ou sur des imams 2.0 qui maintenant sont sur YouTube, sont des stars, ont des millions de vues, et ils sont rasés de près, ils s'habillent de façon assez moderne, ils ont un discours très mielleux, en général qui n'était pas le leur 10 ans avant. Voilà, je pense qu'il faut savoir dissocier effectivement les deux et ne pas faire de petits cas minoritaires une généralité. De la même façon que si moi, par exemple, je dénonce les dizaines de milliers d'attentats au nom de l'islam qui sont perpétrés depuis le 21e siècle, que ce soit l'attentat le plus direct et simple, si je puis dire, sans le dévaloriser, à savoir, par exemple, je sais pas, un crime d'honneur au nom de la religion ou un attentat massif et impressionnant qui va tuer plein de gens. Vous savez, il y a des gens, vous leur dites ça, et ils sont contents de savoir qu'il y a un Anders Breivik tous les 10 ans ou un, donc le 18, 10 ans après, c'était celui de l'attentat en Nouvelle-Zélande, Christchurch, qui permet de complètement relativisé, c'est-à-dire d'un point de vue quantitatif, au prétexte qu'il existe ces petites exceptions, alors on pourrait dire, oui, mais toutes les religions produisent du terrorisme. Bah, à un moment donné, en termes quantitatifs, il y a quand même des gens qui ont un peu une prédisposition à alimenter des statistiques, et je suis désolé, en France, ça reste rare, quelqu'un qui fonce avec une voiture contre des militaires ou qui égorge des gens au hasard, en pensant faire ça, en faisant plaisir à son Dieu, en étant récompensé par son Dieu, en criant Jésus ou Akbar, ou Bouddha ou Akbar, vive Odin. Non, en général, je suis désolé, c'est Allah ou Akbar. J'ai l'impression. Votre lecture du Coran, elle vous vaut bien des problèmes quand même, parce que YouTube exerce sur vous une censure, il n'y a pas que sur vous. Est-ce que vous considérez que la liberté d'expression, elle se restreint en France ? Sur ce sujet-là, sur tous les autres d'ailleurs. Franchement, YouTube me traite plutôt bien. Sincèrement, YouTube ou les plateformes américaines, que ce soit Twitter ou Google ou Amazon, j'ai eu un cas d'une vidéo, et vu que c'est un seul cas, j'accorde toujours un bénéfice du doute quand il y a un cas, où il y a eu une mobilisation assez rapide de gens, de personnalités très importantes en France, pour une vidéo effectivement que j'ai faite, c'était des commentaires sur les 10 citations les plus choquantes du prophète Mohammed. Ah, mais donc je suis pas maltraité par YouTube, sincèrement. À côté non de ça, maintenant. On a eu 5000 cas en même temps, et là, on s'est dit quand même que peut-être. On a laissé le bénéfice du doute 2 secondes. Hein. Voilà. Et après, on s'est dit, tiens, on est censuré.
Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'en France, on est à un carrefour, c'est-à-dire qu'on a quand même des lois qui défendent la liberté d'expression, mais à côté de ça, il y a des lois contradictoires qui sont créées et qui me posent problème, effectivement, qui font qu'on a de plus en plus de mal à critiquer la religion islamique. Des lois très bizarres du genre, on criminalise... Déjà, ça me pose souvent un problème, cette histoire d'incitation à la haine. C'est très bizarre parce que, fut un temps en France, je ne sais pas, même dans des époques très, très reculées, un crime, concrètement, c'était un mec qui enfonçait un couteau dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, un crime, c'est tu as dit une vérité factuelle, mais qui incite d'autres gens à haïr d'autres gens encore. Ça fait un jeu de pistes, c'est pas très très concret. Et moi, avec des lois du genre incitation à la haine qui sont très élastiques, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi, ou des lois du genre stigmatisation, vous savez, le mec dans une, excusez-moi, je dis dans une cité, c'est le premier exemple qui me vient en tête, qui va violer une jeune fille qui était en mini-jupe et puis qui justifie en disant elle m'a incité parce qu'elle était en mini-jupe, vous voyez, il dit ça, c'est son prétexte. Eh bien, je jette l'opprobre sur ce genre de comportement, de justification. Et bien à côté, je ne vois pas pourquoi on aurait le droit de criminaliser au nom de l'incitation à, quand c'est des gens qui simplement disent des vérités factuelles. C'est ce que je disais l'autre fois quand j'étais chez Tadei, c'est si je dis, en France, il y a les statistiques pour ça, la majorité des cambrioleurs sont de sexe masculin, ben, je suis désolé, ça ne jette pas l'opprobre sur l'ensemble des humains de sexe masculin en France. Et bien si j'ai envie de dire, je suis désolé que si je prends la somme des attentats qui sont commis au nom de gens qui se pensent à agir pour Dieu ou qui se pensent à agir en suivant l'exemple comportemental de leur prophète et qui du coup tuent des gens gratuitement, innocents au hasard dans la rue, je suis désolé, ces gens-là, à 99,9%, disent qu'ils se pensent musulmans, qui font ça au nom de l'islam. Eh bien, je ne vois pas pourquoi. Pour moi, la vérité factuelle est préexistante à l'incitation à. C'est-à-dire, si au final je dis une vérité, on ne devrait pas... Eh bien, voilà, il y a tout un cadre légal, comme la loi Avia récemment et d'autres lois avant, qui me posent problème, effectivement, et qui, je le pense, restreignent de plus en plus nos libertés d'expression. Eh bien, je comprends bien, vous dites d'une part, vous dites, j'ai entendu ça dans une de vos vidéos, le Coran est trop incohérent pour être appliqué de façon claire et uniforme. Mais par contre, dans votre ouvrage, il était une fois l'islam, j'ai l'impression que vous avez une lecture scrupuleuse, univoque finalement du Coran, et ça finit par donner raison d'ailleurs aux interprétations les plus littérales. Les plus scrupuleuses, une nouvelle fois, du Coran, c'est-à-dire ce qu'imposent les salafistes. Et j'ai trouvé qu'il y avait là un rapprochement qui me paraissait surprenant. Eh bien, je pense que le paradigme que vous utilisez me semble étrange parce qu'en fait, ça, c'est un instrument de plus de la nouvelle langue moderne qui consiste à reprocher à quelqu'un d'avoir compris le sens littéral de l'idéologie de son ennemi. C'est pas parce que j'ai compris exactement la même chose que ça veut dire que j'y adhère. Et effectivement, je suis désolé, mais le taliban qui lit le verset 34 de la sourate 4 du Coran, et où il y a écrit que le mari a droit de frapper sa femme si jamais lui désobéit, eh ben, dénoncer cela, en plus de le comprendre, je vois pas pourquoi on me dirait « Eh ben, tu donnes raison à ces interprétations ». Ben, si je le dénonce quelque part, je vais bien être obligé à un moment donné de valider le fond avec lequel il a compris au premier degré, comprendre le premier degré de comment dire… – Mais vous seul avec les salafistes, prenez ça au premier degré. – Ben oui, et ça se prouve sur le terrain, tant d'un point de vue théorique, quand on lit que dans la pratique, dans les lois de ces pays, et puis dans des statistiques qui peuvent être faites par des organismes internationaux sur des problématiques criminelles, et je ne vois pas en quoi le fait de comprendre au premier degré, ben, je suis bien obligé de le dénoncer. Donc j'y peux rien à un moment donné. Je veux dire, si le salafiste dit « la bicyclette est bleue », je ne vais pas faire semblant de dire qu'il a dit autre chose. Voilà, il a dit « la bicyclette est bleue », je dis « la bicyclette est bleue ». Et je vous signale que le pendant négatif, l'attitude contraire, d'islamistes qui sont fourbes et qui font croire que l'islam et le Coran est une religion pacifiste, pour moi, ce n'est pas plus valorisant. Je préfère encore mon attitude d'avoir compris ça plutôt que l'attitude inverse de musulmans qui font semblant de dire qu'ils ne veulent pas, surtout pas qu'on mette le focus sur leur religion et qu'ils disent non, vous inquiétez. Ils mentent. Beaucoup mentent et disent il n'y a pas écrit ça dans le Coran, non, mais c'est une question d'interprétation. C'est toujours interprétation quand ça les arrange. Quand il y a écrit, par exemple, il n'y a qu'un seul Dieu dans le Coran et pas plusieurs, il n'y a jamais aucun islamiste, aucun musulman qui dit ah, ben ça, c'est ton interprétation. Non, à l'arrivée, ils comprennent ça au premier degré. Quand il y a écrit faut pas manger de porc, ils comprennent à l'arrivée faut pas manger de porc. Parce que se priver d'une viande arbitraire plutôt que d'une autre, ou déterminer qu'il n'y a qu'un seul Dieu plutôt que d'autres, ça n'entre pas en contradiction frontale avec nos lois. Par contre, quand il y a écrit
qu'il faut couper la main du voleur et de la voleuse, sans préciser le montant minimum du larcin ou l'âge du voleur. Quand il y a écrit « il faut combattre les mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah », quand il y a écrit qu'Allah envoie en enfer des gens juste parce qu'ils ne sont pas musulmans, là, tout à coup, il y a interprétation. C'est bizarre, il y a interprétation que quand ça les arrange. Okay. On va continuer à en parler, on va continuer à en parler. On vient de commencer seulement. L'invité en quatre questions, et je vous propose de passer tout de suite, eh bien, à la suite de Bismillah. A-t-on le droit d'être islamophobe ? Lors de l'université d'été de la France Insoumise, un intellectuel marxiste a suscité une vive polémique en affirmant le droit d'être islamophobe. Dans une grande confusion entre diagnostic et idéologie, les médias et la classe politique se sont emparés du débat. Alors, a-t-on le droit d'être islamophobe ? Voilà, bon retour sur ce plateau pour ce premier débat. Magine Oukacha, le dessinateur Ignace, qui accompagne Bistro Liberté depuis tant d'années, lui a fait un choix. Il pose la question, Magine Oukacha, islamophobe, et comme une voix s'écrit « Tu vas crever, chien d'infidèle », vous répondez « Disons que je ne suis pas islamolâtre ». Alors, islamophobe, islamolâtre, les mots ont un sens. Est-ce que vous êtes islamophobe ? Alors, le problème, c'est qu'en fait, en France, il n'y a pas de définition officielle de l'islamophobie. Vous allez même sur le site internet de l'Académie française, il ne se prononce pas. Du coup, moi, j'ai pour définition la phobie de l'islam, je prends vraiment à la racine de l'expression, c'est-à-dire l'aversion pour une idéologie et pas des individus, tandis que d'autres estiment que l'islamophobie, c'est au moins de la haine envers les musulmans. Donc je ne prétends pas que ma définition est supérieure à la leur. Par contre, la plupart des gens qui sont des militants politiques et qui critiquent l'islamophobie, ont pour point en commun de faire quelque chose que je réprouve, c'est d'associer deux concepts. À la fois, ils disent que l'islamophobie, c'est de l'hostilité envers l'islam et les musulmans. Et c'est ça qui me pose problème, parce que d'un côté, on ne peut pas mettre dans le même concept du blasphème envers une idéologie, ce qui est légal, et à la fois du racisme ou de la haine envers des individus pour ce qu'ils sont. C'est comme si on disait l'un va forcément avec l'autre ou l'un est forcément la conséquence de l'autre. Et ben moi, je défends mon droit à détester l'islam, à pouvoir m'en justifier publiquement l'idéologie islamique sans forcément qu'on me dise que ça va de pair avec une haine que je n'ai pas pour des gens en raison de ce qu'ils croient. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, comme vous le dites, que l'islam est violente ? Intrinsèquement violente. Oui, fait, oui, et on peut le dire même ça, par rapport à beaucoup d'autres religions, parce que par chance, entre guillemets, la lecture du fond idéologique de l'islam est beaucoup plus simple, puisque leur livre religieux suprême, il y a une légende selon les musulmans qui veut que de la première à la dernière phrase, c'est Dieu lui-même qui parle dedans. Ce n'est pas juste des humains, c'est Dieu lui-même qui parle. Et à l'intérieur, très clairement, il y a des lois univoques qui ne sont contredites par aucun autre verset, qui démontrent bien en tant d'exemplaires que l'islam fondamentalement voulu par son maître à penser, c'est une religion violente, liberticide, qui criminalise la liberté de conscience et qui est misogyne. Donc très clairement… Alors la question, elle est très simple, elle est très rapide. Si vous êtes comme ça, est-ce que vous comprenez que, par exemple, les catholiques sont souvent blessés par les attitudes catophobes, comme on dit, Charlie Hebdo faisant des unes insanes sur le pape Benoît XVI, ça les choque. Ils sont en droit de dire, c'est comme l'islamophobie, quoi, ça devrait être interdit. Tous les partisans déjà, les catholiques ne sont pas un mélange monolithique, il y en a qui supportent ces caricatures, d'autres non, je ne saurais pas dire quelle proportion, mais ce que je peux dire, c'est que toute idéologie critiquée, toute idéologie même la plus stupide sur Terre, a forcément ses partisans. Du coup, quoi que vous critiquiez, que ce soit même une idéologie, que ce soit une doctrine économique, un parti politique, par définition, ces partisans peuvent être vexés, surtout si vous vous en moquez. Ben moi, je fais même sur ma chaîne YouTube, des fois, je fais des vidéos humoristiques, de l'humour, même des fois, je fais des petits jeux de mots subtils sur l'islam, parce que j'estime qu'on est une terre où la culture de la satire, de l'humour existe. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une femme qui me disait, c'est une de mes lectrices, elle me disait, j'attendais l'autre jour à un bar, et puis il y avait une femme en voile intégrale qui attendait dans ce bar à côté, elle attendait quelqu'un. Elle nous a tous fait peur à cause du contexte actuel. Et moi, je lui ai répondu en plaisantant, rassurez-vous, si cette femme attendait debout sur une table, en fait, c'était juste un parasol replié. Vous voyez, donc c'était une blague, ça ne lui a pas plu. Bon, voilà, mais c'est pour dire, ce genre de petits jeux de mots très subtils ou des blagues beaucoup plus hard, je m'autorise le droit de les dire parce qu'on est dans une terre de liberté d'expression et que je pense que je préfère excès de liberté d'expression à excès de censure sur la critique en particulier religieuse. Oui, mais enfin bon, les Français dans les sondages, ils considèrent que l'islam, c'est pas une religion qui fait peur comme. Ils n'ont pas la phobie de l'islam, si ?
Je suis pas, je sais, j'ai pas connaissance, je pourrais pas vous dire, j'ai pas connaissance de sondage précisément qui explique si la religion islamique fait peur à des gens ou ne fait pas peur. Ce que je me dis comme ça spontanément, j'avais travaillé avant dans le marketing et du coup j'ai baigné au milieu des questionnaires. C'est, je me dis pour ce genre de sondage, à mon avis, la réponse numéro un, ce sera pas oui ou non, est-ce qu'elle vous fait peur, mais NSP, je pense, ce qui veut dire oui en fait. D'accord. Ne sais pas. Ça me paraît clair ça aussi. Francis Bergeron, alors Ignace vous demande, islamophobe, ni plus ni moins que Saint-Louis. Est-ce que ça vous va, ça ? Non, non, ça ne me va pas, parce que je ne suis pas islamophobe. Et être islamophobe, c'est avoir peur de l'islam, c'est ce qu'on a dit. On peut très bien ne pas aimer l'islam, ne pas aimer l'islam. Et d'abord, ce n'est pas criminel, je crois. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que vous dites aussi. Sans avoir peur pour autant de l'islam, on peut être contre l'islam et contre certaines idéologies, contre les adorateurs de l'oignon ou contre d'autres, contre le marxisme, mais on peut ne pas avoir peur de l'islam malgré tout parce que on a aussi des vertus, des valeurs à défendre et quand on a des valeurs à défendre, ben on n'a pas peur de ce que l'on connaît mal, de ce que l'on ne connaît pas bien ou même de ce qui peut être dangereux parfois. Je voudrais juste prolonger une petite phrase simplement. Vous êtes invité. J'aime pas aussi dans notre époque le fait que d'avoir de l'aversion pour une idéologie, c'est forcément de la phobie. Pourquoi ce serait de la phobie ? Je veux dire, ma détestation de l'islam, c'est le point de départ raisonné et justifié pour des raisons rationnelles, et éventuellement une des conséquences, c'est que je crains cette religion. Pourquoi détester quelque chose, c'est forcément de la phobie ? Aujourd'hui, on a homophobie, on a islamophobie, on a du phobie partout. Pour le droit naturel de détester une idéologie ou un courant de pensée ou ce qu'on veut. Et bon, c'est différent, homophobie, effectivement, et islamophobie, mais j'estime que je vois pas pourquoi. Enfin, c'est ça le problème. Il faudrait deux termes différents, je pense, effectivement, pour dissocier. Parce qu'en plus. Nicolas Gauthier, regardez, l'islam, je kiffe grave. Oui, alors je tiens à préciser que je ne fume pas plus de joint que vous ne buvez de vin rouge. Mais Ignace comprend très vite, mais il faut l'expliquer longtemps. Quoi, c'est ça. Moi, j'ai mis 5 ans, j'ai pas réussi. Donc bon courage. Mais le problème n'est pas de kiffer ou non l'islam, mais le problème principal, effectivement, c'est sur le choix des mots, parce que la phobie, c'est du vocabulaire médical. Vous êtes agoraphobe, vous avez peur du vide. Non, de la foule, excusez-moi. Ça commence bien. Et cette façon, effectivement, de médicaliser le débat. Ça empêche tout dialogue, toute discussion, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a une phobie, quelle qu'elle soit, on ne discute pas avec lui. On lui envoie un médecin pour le soigner. En plus de polariser le débat avec des pour-contre, on a l'impression... Non, ça n'a aucun sens qu'on ne raisonne pas sur une phobie. On peut avoir le vertige, on ne va pas raisonner quelqu'un qui a le vertige. Donc déjà, le terme est mal choisi. Tout comme lorsqu'on parle de racisme anti-musulman, ça n'a aucun sens. Oui. Être musulman, c'est une confession. On peut être breton et musulman, on peut être arabe et catholique. L'islam, c'est acquis et métaphysique, déjà, tandis comme, que l'arabité, déjà, c'est inné et physique. Donc, on parle de racisme anti-maghrébin, anti-arabe, oui, ça a un sens. Donc déjà, je trouve que les termes sont biaisés. Ensuite, je pense qu'il y a deux écueils dans lesquels pas mal de gens tombent à propos de la question islamique. C'est d'un côté, il est totalement nigo de dire l'islam, d'être religion de paix et d'amour, ça n'a aucun sens. Mais après, dire tout est méchant dans ce livre, la preuve en est, s'il y a du terrorisme, c'est parce que c'est écrit dans le Coran. Donc, d'un côté, il y a l'évangélisme, et de l'autre, on instruit totalement à charge en disant si tel ou tel peuple se conduise mal, c'est de la faute de leur religion. Et tout ce qui s'est passé, on le voit quand même, pour déborder du domaine religieux, pour aller dans le politique, tout ce qui s'est passé avec l'État islamique. Il y a certes un paravent religieux, parce que la religion est un moteur puissant. Staline, qui n'était pas connu pour hanter les églises, s'est servi du facteur religieux pour repousser les Allemands, et ça marchait à Stalingrad. Et il faut savoir, on a eu un invité ici, c'est Xavier Refer, quand même un des spécialistes de questions de terrorisme, dit il faut savoir que l'état-major militaire de l'État islamique sont des anciens officiers sunnites du parti basse, donc des laïcs, ce qu'on appelle les musulmans cigares whisky. Des laïcs qui se sont comme vous. Qui se sont servis de la religion, effectivement, pour contrecarrer la majorité chiite en Irak. La preuve en est, c'est que dès les premiers succès militaires de l'État islamique, la première chose qu'ils font, c'est d'effacer les accords Sykes-Picot. C'est pas d'en appeler au Coran. C'est de revenir à la politique les accords Sykes-Picot du 216. Donc la religion a toujours bon dos, quelle qu'en soit la façon dont on la prenne, pour dire « Ah, c'est monstrueux » ou « C'est absolument magnifique ».
Mais tout ça, effectivement, me semble, c'est un débat qu'on ne peut pas résumer en termes d'islamophobie, effectivement, de simple peur. Après, on peut avoir peur de quelque chose, et Francis a parfaitement raison. Francis est un islamo-sceptique, on va dire. Ce n'est pas pour ça qu'il a la phobie, ce sont deux notions totalement différentes. Non, moi, je partage les options. Comment on peut être anticommuniste sans avoir peur de l'invité de TV Liberté, c'est que, effectivement, l'islam a de très graves défauts, comme d'autres idéologies, chaque idéologie, chaque religion a des points forts et des points faibles. Je dirais que l'islam, de ce que j'en connais, et je n'ai pas la chance de connaître cette religion comme notre invité, a de terribles défauts. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'ai peur. Oui, ce mot islamophobie, je ne le trouve pas approprié. Et à défaut de parler de défauts, on peut au moins se dire simplement, on a remarqué que dans le monde occidental, il y a au moins une incompatibilité en termes de mœurs, et qu'il y a une incompatibilité de manière générale entre ce qu'on peut voir dans des zones du monde occidental qui sont islamisées sur une à deux générations, où elles sont islamisées d'un point de vue majoritaire en termes démographiques. À un moment donné, je veux dire, on peut me sortir toutes les statistiques au monde qu'on veut, mais il y a aussi le vécu et le ressenti qu'on peut entendre de la part des gens autour de nous. On ne peut pas nier la naturelle disposition des gens à préférer certains types de voisins plutôt que d'autres. Moi, comme je le dis souvent, je me rappelle dans mon enfance, les gens, avant de déménager, ils se disaient, c'était une autre France, mais qui déjà était en transition, ils se posaient, au moment de déménager, où ils se disaient... quel endroit me plaît le plus ? À quel endroit l'école va être le plus proche ? Maintenant, les gens, quand ils déménagent, ils veulent aller à un autre endroit. La première question qu'ils se disent, c'est quels gens je vais devoir fuir ? Quel quartier je vais devoir fuir ? Les peuples ne sont pas naturellement xénophiles. Et quand vous parlez de statistiques, il y a quelqu'un, c'est Philippe Iribarn, qui a fait un livre passionnant qui s'appelle « L'islamophobie imaginaire », dont je vous conseille l'entretien dans le dernier numéro d'Éléments. Il dit effectivement ce qui dérange les Français, ce n'est pas les aspects cultuels de l'islam, c'est-à-dire les cinq piliers de la foi, c'est les aspects culturels. C'est la vêture, ces gens qui réduisent leur religion à des interdits alimentaires, à des codes vestimentaires. Oui, ça, c'est ce qui dérange les gens en premier. Ce n'est pas les gens qui font le ramadan ou qui vont à la mosquée le vendredi. C'est effectivement tout ce qui est culturel, c'est l'invasion. C'est quand même assez lié, non ? C'est pas... Le culturel et le cultuel, c'est pas la même chose. Oui, hein. Oui, c'est quand même lié. Et moi, je vous dirais que si un musulman... C'est pas pour les musulmans qu'on doit s'aiguiser, qu'on doit se déguiser en arabe, par exemple. Si un musulman veut appliquer sa religion... et qui ne contredit en rien nos lois, et que, vous savez, il y a une phrase que je dis souvent, c'est je ne sais plus comment je dis ça, mais en gros, je dis les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence sont celles qui n'ont d'impact que sur leur auteur. Je veux dire qu'un musulman veuille se priver d'eau quand le soleil, lui, dans le ciel, en plein été, durant 16 heures de suite, ça le regarde, ça n'a d'impact que sur lui. Mais à partir du moment où un musulman veut appliquer des doctrines, des lois coraniques qui vont à l'encontre de nos lois, ça peut produire de la souffrance animale avec le halal, ou bien ça peut être effectivement le fait de frapper sa femme en se disant « c'est justifié par le Coran, elle m'a désobéi, je veux la frapper ». Bah, en tout cas, voilà, moi, l'islam, qui est juste simplement la foi individuelle intime de quelqu'un et qui ne contredit pas les lois françaises, moi, ça me va. Mais à partir du moment où il y a des phénomènes de psychologie de masse... pas tout le monde à ne pas boire pendant 16 heures de l'eau en été sous prétexte que... Tout à fait, mais un exemple dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le burkini, parce que là, effectivement, on ne fait pas plus voyant. Et le burkini ne fait pas partie des prescriptions coraniques, simplement des marchands de fringues qui ont trouvé dans l'islam un marché actuellement extraordinaire, de la multiplication des rayons halal. En Allemagne, on a même ouvert un sex shop halal. Je demande bien ce qu'ils y vendent. Mais je ne sais pas. Vous irez enquêter pour TV Liberté. Bon, c'est pour les porcs uniquement. Il y a un très bon livre sur le halal, l'invention d'une tradition, effectivement. C'est un business juteux. Et comme une société marchande où tout s'achète et tout se vend, l'islam est une excellente marchandise, un très bon produit d'appel. On poursuit. Qui est-ce qui veut prendre la parole ? Ah ben Philippe Randa. En tant que païen, je dis bienvenue à Allah dans la farandole des dieux. J'essaie d'expliquer le paganisme à notre ami Ignace. Il l'interprète à sa façon. Il a du chemin à faire. Alors, vous parlez, je crois, de l'islamophobie, mais moi, je ne peux pas être islamophobe. Je ne suis pas plus catophobe que judéophobe et tout. Parce que si un jour, je dois avoir la révélation, c'est bien une religion de révélation, eh ben, j'aurai la révélation et donc je n'ai pas peur. Moi, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de m'appauvrir, j'ai peur de la violence, j'ai peur du crime, j'ai peur qu'on m'impose une religion qui ne soit pas la mienne, oui, mais je n'ai pas peur d'une religion en elle-même si je dois un jour partager les valeurs de cette religion et y croire dans leur Dieu. Donc, le problème de l'islamophobie, c'est qu'on parle de peur
là où, généralement, on interprète par le fait que lorsque, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, les musulmans étaient 120 000 au début du XXe siècle, personne n'y voyait de problème. Ils ne posaient de problème à personne. Aujourd'hui, ils sont des millions, non pas de convertis, mais des millions de gens venus par l'immigration sauvage depuis maintenant pratiquement un demi-siècle. Et là, maintenant, ils commencent à être nombreux, très nombreux, et donc ils veulent imposer leur religion, certains en tout cas, parce que c'est une religion conquérante, exactement comme a été le christianisme avant. Le catholicisme avant était une religion conquérante. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. De fait, c'est une religion de repentance. Il suffit d'entendre le pape actuel. C'est toute la différence. Les musulmans ne font pas repentance de rien. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils feraient repentance. Donc là, effectivement, c'est un problème, et c'est un problème démographique. Lorsqu'on est puissant par le nombre et par la volonté hégémonique, là, oui, ça pose un problème, mais ce n'est pas la religion en elle-même. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que l'interprétation… – La question, revenez à la question aussi. Ben, – A-t-on le droit d'être islamophobe ?– Eh ben, bien sûr. Le droit d'avoir peur, mais oui, on a tous droit d'avoir peur de quelque chose. Je fais très politique, le ministre du Logement, que vous connaissez. – Oui, mais ce n'est pas parce qu'il est ministre du Logement qu'il est forcément intelligent et qu'il maîtrise le français. – Vous pouvez m'en donner le nom. Moi non plus. Bon, c'est un nom accroché dehors, probablement. Sais, Julien de Normandie. Un beau nom. Il dit, on n'a pas le droit d'être islamophobe. Mais parce qu'il ne connaît pas le français. Il a supprimé son tweet, mais une fois que c'est écrit, c'est écrit. Oui, mais c'est on n'a pas le droit d'islamophobe. Est-ce qu'une loi peut légiférer sur une peur humaine? Non. Mais déjà, il n'y a même pas de définition officielle de l'islamophobie. Oui. Attendez, j'ai fait un petit peu de grec, je prends un peu les mots. Les mots ont un sens, ou alors c'est du n'importe quoi, on interprète comme on veut. Mais les mots peuvent également évoluer à travers les siècles. La phobie, c'est la peur. Regardez une passion au sens antique de l'émotion qui vous dépasse dans ses tenants et aboutissants au sens rationnel. Aujourd'hui, une passion, c'est un hobby, c'est le football. Donc les mots peuvent également évoluer. Moi, je pense que ce qu'il faudrait vraiment, je ne suis pas stupide, je sais très bien que si je suis sur un plateau avec un militant antiraciste, islamophile, islamolâtre, sireur de babouche, tout ce que vous voulez, je sais très bien qu'il a intérêt à au moins comprendre de l'expression islamophobie le rejet d'individus pour ceux qui croient de l'islam, tandis que moi, je me contente de dire que j'ai une aversion. Et je vais même vous dire, vu le contexte de l'époque, des fois je me dis, et pourtant j'aime pas ce suffixe phobie, je me dis c'est pas si mal parce que si on me disait pas que j'étais islamophobe au sens de phobique de l'islam, il me resterait anti-islam. Et c'est vrai qu'anti, ça fait encore plus offensif, ça fait encore plus attaquant. Limite, phobie, je crains. Alors, je suis comprends plus. Le terme, on disait anti-communiste, il n'a pas ça dépend comment on le définit parce que malheureusement, il n'y a pas de définition. Moi, je le définis à propos de. Avec la grammaire française et le vocabulaire français. Est-ce qu'on a peur du djihadiste? Oui. Du terroriste au nom de l'islam? Oui. Je passe la parole. De la religion? On ne peut pas avoir peur d'une religion. Si on a peur d'être convaincu et de se convertir à une religion, c'est pas une question de peur. C'est quand même un libre choix. C'est pas une question de peur. C'est quand on vous impose ce choix. Là, moi je critique l'islam parce que je fais un peu de prospective. Je me dis, j'ai connu une France dans mon enfance. Maintenant, je vois la France qu'elle est aujourd'hui. Je vois la différence entre les deux. Je me dis, là, on va vraiment vers un sens qui me plaît pas du tout. J'ai l'impression que notre laïcité est en train de s'islamiser. J'ai l'impression que parce qu'on remet en cause la laïcité. Notre société, c'est pas l'islam en lui-même. J'ai l'impression que notre société est en train de changer, entre autres, à cause de cette culture importée qui, dans ses fondements, est totalement différent du sens libertaire et égalitaire des valeurs occidentales moyennes. Et je me dis, j'ai plutôt intérêt à sensibiliser les gens sur ce danger qu'est l'islamisation de la France. Et j'estime que si c'est inclus dans le... L'islamisation vient du fait de l'importation de populations étrangères d'origine musulmane. C'est pas l'islam qui fait venir c'est pas l'islam en lui-même. Ce sont les populations musulmanes qui veulent, parce qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont puissantes et qu'elles n'ont surtout pas ce syndrome de la repentance qui fait qu'elle est conquérante. Oui, ces gens qui sont conquérants, ce n'est pas l'islam. Je ne fais jamais d'essentialisme. Je ne dis jamais les musulmans pensent ceci, les musulmans pensent cela. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Ce n'est pas l'idéologie qui est dangereuse, c'est l'auteur qui fait quelque chose et qui est modifié par... religion. Pardon ? C'est pas une idéologie, c'est une religion. Toutes les religions sont une idéologie. Même le partisan d'un mouvement politique est potentiellement, quelque part, un adhérent d'une idéologie. Tout est idéologique. Tout peuple a son opium. On va laisser parler Philippe Ménard qui souhaite intervenir. L'islam, qu'en pense Philippe Ménard ? Ça m'énerve. Vous allez peut-être avoir un élément plus... Ignace est parfait, comme d'habitude. D'abord, par rapport à ce que vous dites sur l'islamophobie, vous avez évidemment raison sur la racine.
ce qui est intéressant dans l'extrait qu'on nous a passé, c'est que ce n'est pas du tout le sens que le chercheur emploie. Quand il dit on a le droit d'être athéophobe, on a le droit d'être islamophobe, on a le droit d'être christianophobe, nawak. Lui, ah, je peux parle... comprendre qu'on soit athéophobe, qu'on ait peur, brusquement, de venir de parler, parce que vous allez me prouver que j'ai tort. Tout ça part de Pinard. Pinard Ruiz, philosophe marxiste, voilà. Ancien du MRAP, et qui dit on a le droit d'être catophobe, voilà. Athéophobe, voilà. Et islamophobe. Lui, on va garder cette phrase islamophobe. Islamophobe, quand il l'emploie, signifie vous avez le droit de construire un discours contre l'islam. C'est ça que ça veut dire. Il ne parle pas de peur. Et c'est pour ça que Julien de Normandie dit on n'a pas le droit, parce que si on a le droit d'être contre une communauté, surtout cette communauté-là, évidemment, puisque donc il y a quand même, on va éviter d'essentialiser, mais si Julien de Normandie a peur de l'islamophobie revendiquée par notre camarade, c'est parce que évidemment il pense que si vous êtes islamophobe, vous allez reporter votre haine sur les musulmans. Voilà, donc lui, il interprète, la définition, il inclut dedans le rejet d'individus. Mais absolument. Alors, ce que ne fait pas d'ailleurs le Ruiz. Donc, au titre de Ruiz, c'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit d'être contre l'islam considéré comme une idéologie? Parce que vous avez raison, c'est une religion, mais c'est une religion un peu spéciale. C'est une religion totalement religion totalement sécularisée qui considère. Je vais finir là aussi, vous m'expliquerez après à quel point j'ai tort. C'est une religion totalement sécularisée qui n'a de mode d'existence uniquement aujourd'hui dans la majeure partie des pays où elle est pratiquée. On va laisser tomber le soufisme. Que dans une pratique purement sociale qui doit s'inscrire dans la société. C'est en ça, d'ailleurs, que notre ami magique nous dit « J'ai peur d'une France qui est en train de s'islamiser, parce que s'il s'agissait juste d'une conversion intime où quelqu'un, dans le secret de son boudoir, serait en train de réciter la prière et d'essayer de se conformer aux cinq piliers de l'islam, ce serait dommage pour eux, parce qu'ils ne connaîtraient pas, bien sûr, l'admirable paganisme ou le désastreux catholicisme, mais on s'en moquerait. Le problème, c'est qu'ils sont dans des prières de rue, ils sont dans l'exigence... Que ce soit à l'école, dans les entreprises, au niveau de la problématique terroriste, on a l'impression que dans tous les domaines médiatiques... Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le cultuel et le culturel sont au contraire en train de se rassembler. Parce que si c'est le cultuel de prononcer la prière, mais où du coup j'exige une salle de prière, où j'interromps mon travail pour prier, si c'est cultuel de pratiquer le ramadan, mais si ça devient culturel à partir du moment où j'exige en fait une adaptation des horaires des CAF de tel ou tel département parce que le personnel est en train de faire le ramadan et donc on supprime telle ou telle ouverture, on diminue les créneaux ou on considère que tel service doit fermer, le cultuel rejoint complètement le culturel. Donc cette islamophobie-là, oui, on a le droit, en tout cas, d'adhérer à un discours qui est contre une religion, qui est d'abord une idéologie et qui est d'abord une pratique sociale, avant d'être un discours de transcendance. Formidable. Il faudra écouter Philippe Ménard qui est d'accord avec le philosophe Ruiz qui prononçait ces phrases-là à l'université de la France insoumise. Et qui, par ailleurs, est un salaud et je rejette complètement Ruiz et son sacadophobie. Il a démissionné de la France insoumise. Il a démissionné, mais c'est pas grave, je le vais quand même. Tellement il a été, on lui a pourri la vie par une partie des militants de la France insoumise. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est une erreur totale, je t'avoue, je pose la question Philippe Ménard, de confondre le racisme et l'islamophobie, de qualifier l'islamophobie de racisme. On a le droit, et même pour certains d'entre nous, le devoir de faire la critique impitoyable des religions dont je considère qu'elles ont une contribution inouïe à la guerre entre les êtres humains et la détestation mutuelle. Alors, je pense que la première partie de la phrase est excellente. Le laïc authentique va signer. Non, la première partie de la phrase qui dit « ne pas confondre islamophobie, racisme, etc. », c'est tout à fait vrai. Il y a aujourd'hui une espèce de gloubi-boulga où le fait d'être contre et toutes les manières d'être contre sont assimilées. C'est un peu comme les féministes qui vous expliquent si Jacques a tiré les couettes de Suzette dans la cour, forcément, Jacques va pratiquer le viol de masse dans 20 ans ou peut-être même tout de suite dans les chiottes de la cour de récréation. Et donc là, il y a un continuum de la violence masculiniste. Donc c'est grotesque. Et donc là, à chaque fois, on essaie de vous dire, si vous avancez un argument, c'est que par principe, vous êtes contre, et le simple fait d'être contre est déjà criminalisable en soi. Donc ça, il a tort. Après ça, la deuxième partie de la phrase, où il explique que les religions sont la source de l'intégralité des meurtres, de la violence et des catastrophes, il me semble, sauf à vérifier qu'effectivement le communisme et le nazisme sont des religions laïques, que les plus grands massacres ont été commis par des gens qui n'étaient absolument pas religieux, et je rejoindrai presque mon camarade sur le fait que la religion est plus souvent un prétexte que le véritable moteur des exterminations. Vous partagez ce point de vue? La phrase « contribution inouïe à la guerre entre les êtres humains et à la détestation mutuelle ».
Je vais vous donner un petit contre-exemple. Je ne sais pas si ça va dans votre sens ou le total contraire. Vous savez, un esclave, si on dit un esclave aujourd'hui en France, on a l'impression de voir quelqu'un du tiers-monde avec nu, avec des chaînes aux pieds, des boulets, etc. Et ben, vous savez, moi, je me considère comme plutôt féministe, peut-être un féministe perfectible parce que je suis un homme. Je considère que dans tout pays musulman, une femme qui est obligée d'obéir toute sa vie à un tuteur masculin, passant du tutorat filial de son père au tutorat marital de son mari, qui doit lui obéir, qui doit faire exactement ce qu'il lui demande et qui ne peut pas sortir dehors et sentir le vent de la liberté dans sa chevelure au prétexte que sa chevelure à l'air libre montrée devant tout le monde jetterait l'opprobre sur sa personne, je considère que c'est une esclave. Donc vous voyez, j'ai une définition de l'esclavage et de l'esclavagisme qui fait que tout d'un coup, je vois beaucoup plus d'esclaves à travers le monde qu'on en voit. Donc je considère, en tout cas, pour ce domaine-là, même si ce n'est pas une guerre au sens concret de deux camps l'un contre l'autre avec des armes, que c'est un ravage permanent, une guerre quelque part permanente qui nuit à au moins la moitié de l'humanité. Donc c'est, c'est l'islam. La phrase que je vous citais était celle de Jean-Luc Mélenchon, pour information. Pierre Gentillet n'a rien contre l'islam, non, pourvu qu'il soit gentillet. Humour. Bon. Allez, c'est la reprise. Alors, Pierre, moi, on vous écoute. Je suis très embêté parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez tout dit sur le sujet. Et surtout, moi, j'ai vu le sujet autrement. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la question, c'est qu'on n'aurait pas parlé, ça n'aurait même pas été un sujet si c'était passé autre part qu'à la France insoumise. En fait, la question, pour la poser complètement, c'est peut-on être islamophobe ou hostile à l'islam ? Moi non plus, j'aime pas ce mot, hein, ça vient de phobos du grec, la peur. Peut-on être hostile à l'islam à la France insoumise. Donc moi, je rattache ça, pardon pour faire cette digression, parce que vous avez tout dit, à une question politique, et vous m'excuserez si, peut-être pour certains, ça abaisse le débat, mais pour moi, c'est très symptomatique de ce qui est en train de se passer à gauche, avec l'islam, avec l'identité française plus généralement. Je pense que, regardez d'ailleurs, ce qu'il a emporté, justement, c'est plutôt le camp contre-russe, c'est plutôt les indigénistes qui ont réussi à obtenir sa tête. Je pense qu'il y a, en ce moment, à gauche, un débat qui est en train de se jouer et qui va déterminer vraiment tout ce que sera la gauche française, enfin la gauche, justement, tout le sujet, au 21e siècle. Souvenez-vous, on a eu, dans les années 60-70, une première mutation de la gauche. On a eu ce qu'on appelait la deuxième gauche, avec Rocard, qui, elle, épousait le marché, qui disait qu'il fallait se moderniser, etc. Vous savez, c'était cette gauche qui, cette fois-ci, a lâché le peuple. Hein, qui s'est vendu aux élites mondialisées, etc. Et aujourd'hui, je pense que c'est très intéressant parce qu'on est en train d'assister avec tout ce mouvement indigéniste à la naissance d'une troisième gauche qui, elle, non seulement abandonne le peuple, mais abandonne le peuple français tout court. C'est-à-dire qu'on est dans un logiciel tout à fait différent. Cette gauche-là, cette gauche indigéniste, cette gauche obono, cette gauche antiraciste, cette gauche qui, au fond, est née en fait, dans les années 70-80, cette gauche qui est un dernier enfant de Mitterrand, hein, voilà, même l'enfant aussi, quelque part un peu de la deuxième gauche, cette gauche est en train de prendre le pas à la France insoumise, mais aussi au Parti socialiste, mais aussi dans les mouvements style le mouvement de Hamon, etc. Pourquoi ? Les écologistes. Mais pourquoi ? Il y a une loi, une seule loi en politique, c'est la loi de la démographie. Et jusqu'à présent, les indigénistes, c'est-à-dire les quartiers, les banlieues, etc., c'était un électorat qu'on appelait aux élections, mais qui n'était pas dans l'appareil militant. Aujourd'hui, on a une mutation qui arrive parce que ces obonos, ces indigénistes sont de plus en plus nombreux. Et donc, du coup, ça amène à l'incident Ruiz. Ça veut dire que ce courant-là s'oppose fondamentalement à l'autre gauche, qui est une gauche avec ses racines républicaines, laïques, etc. Et cette gauche-là est en train de se faire déborder. Et de toute façon, elle finira déborder parce que la démographie fait que cette nouvelle gauche, cette gauche des banlieues est en train d'exploser démographiquement. C'est pour ça qu'on a de plus en plus, je dirais, de discours à gauche qui tendent pour la capter, hein, que ce soit Hamon, que ce soit les écologistes, que ce soit le Front de gauche. Et ce que pour moi, j'interprète, pour terminer avec cet événement Ruiz, c'est que cette troisième gauche réussit, par ses coups de pression, à l'emporter à l'intérieur même des partis politiques. Donc pour moi, là, on a un symptôme de la grande mutation, enfin la troisième grande mutation de la gauche pour le XXIe siècle. Voilà ce que ça veut dire pour moi. Pierre Gentillet, si je vous dis cette citation, il n'y a pas d'islamophobie en France, ni de mouvement d'ailleurs qui expose une théorie contre l'islam. Il y a des gens qui luttent contre le fondamentalisme islamiste. Vous signeriez, il n'y a pas d'islamophobie en France ? Mais, encore une fois, le terme est idiot, donc je ne peux pas répondre à la question.
Moi, je suis désolé, je suis un peu idiot, mais dans mes études de base, on m'a appris un bon avocat, un bon juriste, c'est quelqu'un qui commence par la définition des termes. En philosophie, du reste, on commence toujours par définir les termes. Et je trouve que c'est idiot. Ce que dit quand même Majid, c'est qu'il y a une évolution dans les mots. Oui, avec le mot passion, je suis d'accord. Finalement, on va donner à ce sens d'islamophobie, on va lui donner le sens qu'il n'a pas à l'origine. Voilà. Alors je vais répondre à votre Albert question. Albert Camus, mal nommer les choses, en fait, c'est ajouter du malheur au monde. Alors je vais répondre effectivement directement. Si on peut du coup considérer que l'islamophobie, c'est une hostilité vis-à-vis de l'islam, une critique vis-à-vis de l'islam, bien sûr, mais alors c'est très bien, je veux dire... Bien sûr que ça existe, bien sûr que c'est là. Le problème, ce n'est pas l'islamophobie, c'est le fait que la critique de l'islam soit criminalisée d'une part par l'appareil étatique et les élites, et de l'autre part par cette nouvelle démographie qui monte et qui arrive progressivement. C'est ça le problème. Majid Oukacha, je vous pose la même question. Il n'y a pas de d'islamophobie en France, ni de mouvement d'ailleurs qui expose une théorie contre l'islam. Il y a des gens qui luttent contre le fondamentalisme islamiste. Est-ce que vous partagez ce point de vue et celui de Marine Le Pen? Ben, mon problème, encore une fois, c'est je rebondis sur ce qu'a dit M. Gentillet, c'est que l'islamophobie, ça dépend qui entend quoi par rapport à cette terminologie. Même dans cette citation, par exemple, il y a l'expression fondamentaliste. Et je voudrais être sûr de ne pas dire de bêtises qui sera mal comprise, mais le fondement ou la radicalité... Il y a des gens, ils considèrent que c'est pas forcément quelque chose qui est négatif. Si vous êtes dans le fondement ou dans la radicalité, par un souci de promouvoir le libertarianisme ou alors l'égalitarisme, c'est pas quelque chose de mauvais. Donc le fondamentalisme islamiste ou islamique, moi je suis contre effectivement. Est-ce que en France on peut dire de façon binaire, soit il n'y a pas d'islamophobie, soit il y a de l'islamophobie. Je pense que ou absolument partout, les deux sont totalement excessifs. Les deux points de vue sont excessifs. Il y a de l'islamophobie de certains qui ont une aversion seulement pour l'islam, seulement pour une idéologie, et j'en fais partie. Mais il y en a d'autres qui font carrément l'amalgame et qui se disent, qui détestent l'islam et les musulmans. Il y en a d'autres sans doute pour qui c'est peut-être un prétexte parce qu'ils ont un problème vraiment d'ordre esthétique envers tout ce qui est pas blanc. Et si autour d'eux, si leur fille elle leur ramène un petit ami qui a pas les fesses roses, eh ben il en veut pas, lui il dit non. Les fesses roses. Oui, c'est-à-dire un blanc quoi, en gros. Voilà. Un blanc à les fesses roses. Oui. Non mais je pose la question. Je sais pas quelle est la couleur de vos fesses, alors je vous posais la question. Non mais savoir. C'est une métaphore un peu. Ah non d'accord. Pardon. Un peu poussif. Parce que nous sommes prêts à montrer... Ah, nos fesses, c'est l'objet du délit. C'est pas tout rose, d'ailleurs. Donc, en tout cas, terminé, je vous en prie. En tout cas, le vrai problème de ce débat, en réalité, ça rejoint finalement une des thématiques du livre 1984 dont je parlais précédemment, c'est que c'est un terme confus. Il y a peut-être des gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait une confusion dans ce terme. De plus en plus, aujourd'hui, on vit dans une subversion des valeurs. On nous apprend des concepts totalement contradictoires. Tout à l'heure, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur à propos de la gauche. Il y a aussi un des problèmes de la gauche d'aujourd'hui, c'est qu'en plus de tous les problèmes que vous avez cités, ils vont devoir faire plaisir à des électorats contraires. C'est-à-dire, à la fois, ils veulent être pro-laïque, pro-féministes, et à la fois pro-islam. C'est ce qui fait... Ce qui fait qu'il y en a une qui va mourir, comme la deuxième gauche a tué la première gauche. Ça ne va pas être possible à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir vous contenter. Et le pire, c'est qu'ils arrivent quand même à avoir de l'imagination, ils ont des spin doctors qui arrivent à... Vous savez, j'avais fait dans ma chaîne YouTube, des fois je fais des vidéos un petit peu comiques, et j'avais fait une vidéo qui s'appelle « L'islam en 7 graphiques », et en plaisantant, c'était vraiment comique, mais je différenciais le musulman, le musulman islamiste du musulman normal. Je disais la différence entre les deux. Je donnais des petits... Et je disais, par exemple, le musulman, terroriste, il crie Allahu Akbar quand il veut faire un attentat et faire exploser le bus, alors que le musulman normal, il crie Allahu Akbar en public quand il n'y a plus de place dans le bus, mais qu'il a absolument besoin de s'asseoir. Vous voyez, je donnais des exemples comme ça en plaisantant. Et je disais, pour cette différence, je disais, le musulman islamiste, il veut obliger les petites filles de 5 ans à porter le voile, tandis que le musulman modéré, il veut défendre le droit de la petite fille de 5 ans à porter le voile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils vont même réussir à contenter finalement, entre guillemets, ils pourraient même défendre des traits de caractère de l'islam islamiste qui veut s'imposer dans l'espace public au prétexte pour des prétextes libertaires. C'est ça l'ironie du sort qui est folle, quoi. Donc, il a un discours au poil pour intégrer la France insoumise dans l'état actuel. Ah bah, en tout cas, la France insoumise, moi je leur souhaite bonne chance pour les prochains mois, prochaines années pour avoir une doctrine claire, mais c'est vrai qu'avec l'indigénisme qui s'infiltre à l'intérieur, ça va être impossible. Eh bien, Ignace vous a écouté, islam signifie soumission, la France insoumise doit se soumettre ou bien elle est islamophobe.
Saint-Louis était radicalement islamophobe autant que j'aimais mes ennemis, dit Saint-Louis, très bien représenté. Hein. Face à l'islamophobie, certains ont des arguments bien tranchés. Là, on voit bien les arguments. L'islam est-il homophobe ? Sodomie, oui, il paraît, bien évidemment. On parlera certainement aussi de ces questions-là dans ce numéro de Bistro Liberté. La France insoumise, islamophobe, nous sommes trop immigrationnistes pour l'être. Nous sommes trop immigrationnistes pour l'être. Et puis, le laïcard Mélenchon mange du cochon, peut-être, mais je bouffe surtout du curé. Voilà, ça me paraît être une très belle conclusion. Je fais un petit tour de table. Je suis dépassé. Je vous donne cette dernière phrase que je vous ai citée, Jean-Luc Mélenchon. Je vous ai cité Julien de Normandie et Marine Le Pen. Je vous donne cette dernière phrase. Vous me dites très vite si vous êtes d'accord, oui ou non, oui ou non. Il n'est pas permis de discriminer ou d'insulter des croyants en raison de leur religion, mais il est permis de débattre et de critiquer les religions. Il semble nécessaire de défendre ces deux affirmations. D'accord ou pas d'accord ? Absolument d'accord. Oui. Oui. Ben oui, c'est le bon sens. Ben oui. Ouais, oui, c'est de Marlène Schiappa. Marlène, on est tous d'accord avec vous. On se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Alors, confession, c'est la nouvelle rubrique qui remplace ce que vous faisiez à 20 ans. Et vous allez répondre tout simplement à la voix. Nous avons, nous aussi, notre voix. Et vous allez répondre aux questions les unes après les autres. Je vous laisse faire. Quel fait d'actualité vous a le plus marqué en 2019 ? Eh bien, je dirais, c'est difficile, l'année n'est pas finie, mais bon, je dirais quand même le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous voulez une petite justification ? Ah ben, allez-y quand même. J'ai l'impression que ça a quand même un peu remis en question certains termes auxquels je m'étais habitué, comme la démocratie. Est-ce qu'on vit vraiment dans une démocratie ? Vous savez, c'est très étrange, par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête, mais... en France, il y a les modes de scrutin, il y a le fonctionnement de notre vie politique. On s'est habitué, on est tous d'accord du fait qu'on doit voter pour des gens et que leur mandat a une limite dans le temps, parce qu'on ne peut pas leur donner ad vitam aeternam un mandat, parce que peut-être que ça peut aboutir à quelqu'un qui va se croire tout puissant et invirable, il faut qu'il ait la peur d'être viré ou de ne pas être conduit. Et du coup, on se vante du fait que la démocratie, c'est régulièrement réinterroger les gens sur les dirigeants qu'on a, qui en réalité choisissent. Nous, on ne choisit pas, on élit des gens, et après, eux choisissent. J'ai 33 ans, le seul référendum pour lequel j'ai pu un jour donner mon avis, c'est en 2005, je n'ai d'ailleurs pas voté. Et en fait, à l'arrivée, on m'a dit « Ah, en fait, on t'a pas dit non, ça veut dire oui, ça veut dire non. » Ah ouais, d'accord, c'est super. À côté de ça, on se vante, j'y avais réfléchi il y a quelques semaines, de la stabilité de nos institutions. Beaucoup de nos dirigeants se vantent de ça. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est étrange, mais la Ve République, c'est 1957, je crois. Tout à coup, quand on vote pour une constitution qui nous déplaît dans le temps, la majorité des gens aujourd'hui en France qui sont en âge de voter n'ont pas voté pour cette constitution de 1957, on ne nous réinterroge jamais là-dessus. Là, il y a des règles fixes qui font que la démocratie directe ne fonctionne pas. Et là, tout d'un coup, en fait, la Constitution devrait presque nous interroger tous les 10 ans, tous les 20 ans à la limite, pour pouvoir nous dire est-ce que vous l'aimez, est-ce qu'on peut changer le fond. Et en fait, je crois que c'est de la façade de vouloir changer les hommes. En réalité, le vrai changement ne passera que par les vraies lois profondes, à savoir notamment la Constitution française. Mais là, tout d'un coup, nos sbires de ce système et les pontes se vendent de la stabilité. Genre, il faudrait, plus elle va durer dans le temps, plus ça prouverait sa magnificence. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça m'a fait penser à ça, le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que si on va vraiment dans une démocratie qui devrait être fonctionnelle au premier sens du terme, il faudrait à la fois voter régulièrement dans le temps pour les hommes, mais également aussi pour dire je veux valider ou pas la Constitution. Parce que là, depuis 1957, je suis désolé, mais... Vous êtes gilet jaune ? Alors, je me considère, c'est ce que j'ai dit moi l'autre fois chez Tadi quand on parlait d'anti-racisme, c'est ce que je dis souvent, c'est par exemple, je ne peux pas dire je suis anti-raciste ou pas anti-raciste, gilet jaune ou pas gilet jaune, je n'aime aucune étiquette. Maintenant, effectivement, j'ai de la sympathie pour les gilets jaunes, mais je m'affilie vraiment à aucune étiquette parce que je n'aime pas trop cette logique, comment dire, politico-médiatique dominante qui fait qu'on est obligé de se définir selon des étiquettes. Je suis très bien, vous allez devoir répondre à la seconde question. Deuxième question. Quel est votre héros dans la fiction ? C'est dur parce qu'en général, la fiction... Moi, ce que j'aime bien dans la fiction, c'est qu'elle m'aide à me sortir du réel. Je vois vraiment des situations loufoques, inhabituelles. Et quel est mon héros ? Est-ce que ça voudrait dire à quel héros vous identifiez ? J'aime bien les héros irrévérencieux. J'aime bien
Achille dans le film 3, j'aime bien Homer Simpson dans la série Les Simpsons. Ah oui. J'aime bien Truman Burbanks dans le film Truman Show, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, quand même, oui. Ça va. Je sors un peu. On ne sait jamais, tout le monde ne connaît pas forcément. Je suis sorti, en tout cas. Je suis sorti, oui. C'est récent. Voilà, donc ce genre de héros en des général. Héros irrévérencieux, très ouais, bien. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez le droit à une autre question. La personnalité avec qui vous aimeriez dîner. Alors, ça ne veut pas dire que je l'apprécie. Attention, hein. Ça veut pas dire que je l'apprécie. Alors là, je pense qu'il faut s'accrocher. Là. Tarek Ramadan. Non, non. En fait, j'aimerais dîner avec cette personne. Je ne l'apprécie pas, mais c'est la reine d'Angleterre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est le personnage historique, je crois, qui a le plus duré en tant que leader d'un pays, d'un Commonwealth, d'un pays en tout cas, voilà. Et en même temps... L'autre, il a estampillé ce terme. Maintenant, quand on dit en même temps, on a l'impression de... d'être macroniste. Ouais. Et en même temps, en fait, elle n'a pas de pouvoir dans la monarchie parlementaire anglaise. C'est le Premier ministre qui est vraiment le décideur. Elle ne décide de rien. Elle règne, mais elle ne gouverne pas. Et elle a connu un changement de monde, vraiment. Le monde, de, je crois, elle a été couronnée en 1952. Et elle a connu une Angleterre de l'époque qui n'est plus du tout la même que celle d'aujourd'hui, qui est fragmentée, qui est divisée. Vous ajoutez à ça, en plus du communautarisme déjà là-bas qui pose problème, la question récente du Brexit qui divise encore plus leur peuple. Et peut-être j'aimerais dîner avec elle, ne serait-ce que pour lui demander comment elle voit cette dichotomie, c'est-à-dire le fait qu'elle soit la leader et qu'elle ne décide de rien, qu'elle soit juste... C'est juste un symbole, simplement. Et aussi, à la fois, si elle avait le pouvoir de savoir tout ce qu'allait devenir son Angleterre, qui peut-être lui déplaît en bien des dimensions, bien des raisons... Qu'est-ce qu'elle aurait peut-être fait ou tenté de faire, voilà. Donc, mais je pense en tout cas, parler à un leader qui a connu une telle évolution à travers le monde, je suis sûr que la plupart des rois d'aujourd'hui l'ont été dans les années 70, 80, 90, mais quelqu'un voilà, qui a aussi longtemps gouverné une monarchie parlementaire européenne, en tout cas à l'échelle du monde, je crois qu'il n'y a que elle. Quoi. Puis elle sera ravie de voir un agnostic chanter God Save the Queen. Je précise une dernière chose, c'est que je ne la considère pas plus royale qu'un humain normal. Et si je devais lui, si je devais lui serrer la main, soit on se saluerait de la même façon, c'est-à-dire soit royal, soit pas royal du tout, roturière. Mais je considère que je n'ai pas à faire une révérence à un roi et il n'est pas supérieur à un autre humain lambda. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Heureusement qu'il n'a pas de couteau, c'est très anecdotique, mais je voudrais dire que si je devais le rencontrer... Avec un roi d'Angleterre, c'est normal. Avec un roi de France, vous soyez saisi d'une autre impression de majesté. En tout cas, je ne l'estimerais pas, supérieur à moi. Quoi. Vous éviterez de la toucher, tout simplement. Peut-être. Ça sera le mieux. Allez, encore une dernière question. Oui, peut-être avant-dernière, la voix. Et si vous étiez un livre? Ça se complique. Je dirais 1984 d'Orwell, qui était quand même assez novateur, avec son personnage principal Winston, c'était Océania, je crois. Oui, parce que ça parle de la novlangue, ça parle d'un État totalitaire qui nuit à la liberté de penser. Ça va très très loin, c'est assez caricatural, c'est parfois un peu lourd à lire, mais voilà, en tout cas... La fiction a dépassé la réalité. Oui, la réalité a dépassé la fiction, plutôt, pardon. Oui, voilà, donc sans doute ce livre-là. Ouais. 1984, Orwell. Une autre question. Que chantez-vous sous la douche? Enfin, la voix. Sans poser des questions. Je suis quelqu'un d'imaginatif et de très créatif. Et en général, quand je sors de ma douche... Je ne sais pas, la douche, c'est le moment où il me vient des idées qui ne me viennent pas ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, je me dépêche de noter des idées. Sinon, pour sous les l'eau, chansons... ça va être difficile. Bah, oui, c'est sûr. Dommage que ça vous arrive sous la douche. Avec un bout de savon. En fait, il y a beaucoup de gens créatifs qui sont écrivains. Et en fait, la douche, c'est le moment où il leur vient tout d'un coup une idée qui va combler peut-être toute une architecture de réflexion qu'ils ont. Et on ne sait pas pourquoi, c'est ce moment précis où... Votre réflexion sèche moins, quoi. Je ne sais pas. Peut-être ça irrigue ma réflexion. Ne vous laissez pas faire. Répondez à votre question, c'est la voix qui dirige. En fait, je chante de tout. J'aime bien des musiques qui sont des bandes originales de films. J'aime bien chanter des hymnes nationaux. Je connais pas mal d'hymnes nationaux. Bien chanter des petits morceaux classiques. C'est juste des petits moments comme ça. Des hymnes nationaux. Vous chanteriez quoi, j'en connais pas mal.
Non, mais par exemple, alors je me sens être un patriote français, mais par exemple, j'aime bien l'hymne américain, parce que tout le monde ne le sait pas, mais avant, c'était une chanson du XVIIIe siècle qui s'appelle The Anacreon Song, qui est une très jolie chanson. Et en fait, ils l'ont ralenti, ils ont modifié les paroles et ça fait l'hymne américain. J'aime bien l'hymne canadien, j'aime bien l'hymne australien. Je chante juste des petites bribes comme ça, encore une fois, mais c'est le petit souvenir que j'ai. J'aurais dû vous offrir le CD historique de l'Aïbar, qui est un groupe qui a fait un très beau CD sur l'interprétation des hymnes nationaux. Superbe. Pour ne pas faire le ringard et puis peut-être rendre hommage à mon chanteur préféré, je vais dire quand même Michael Jackson, sinon en général. Ah ouais, et puis alors faire Michael Jackson sous la douche, bon, on filmera. Dernière question, la voix. Que dira de vous la postérité ? Fastoche. J'espère être vu. Je ne sais pas si je vais mourir dans quelques années assez proches ou de vieillesse ou dans un avion qui va avoir un accident qui va exploser. Et ma dernière parole, ce serait « Ah, t'as des pistaches !» Pouf, il y a une explosion au moment du tâche, donc peut-être ce ne sera pas la meilleure des citations que je pourrais dire. En tout cas, dernière citation, pardon. En tout cas, j'espère qu'on se souviendra de moi comme de quelqu'un d'authentique, qui a défendu des causes qu'il croyait justes. Moi, vous savez, je fais de la politique à ma manière. Je défends des idées politiques de manière parapolitique, créative. Et en fait, j'ai jamais voulu être politicien parce que j'ai vite compris dès l'adolescence que être politicien, ça veut dire si vous voulez créer un petit parti, vu que c'est une petite clique de milliardaires qui possède les médias dominants, et si vous nuisez à leur intérêt, de toute façon, vous serez jamais connu. À côté de ça, si vous voulez vous insérer dans un vrai parti et vous vous dites « je vais prendre la tête de ce parti et puis le réformer », de toute façon, dès le début, vous arrivez à la base, vous allez devoir défendre les idées du leader, même si vous n'y croyez pas. Et plus vous allez devoir monter dans le parti, plus vous allez devoir transiger, c'est-à-dire faire une espèce de synthèse de ce qui semble être juste auprès de la majorité des gens, je suis désolé, s'il y a une minorité dans ce parti qui a des solutions radicales, et radicales, selon moi, est un terme employé au sens neutre du terme, le fondement, la radicalité, ça ne veut pas dire forcément quelque chose de négatif, si c'est eux, d'un point de vue minoritaire, qui ont des idées qui me semblent être justes, mais que ça ne m'aidera pas à être élu démocratiquement dans ce parti et qu'il vaudrait mieux que je fasse du raffarin et puis que je fasse semblant de faire un gloubi-boulga de moyen, j'aurais pas envie de ça. Voilà. L'avantage de la monarchie, en gros. Je crois plus en les vertus de la démocratie, même si je pense qu'effectivement la nôtre actuellement est très perfectible. Mais en tout cas, d'une manière générale, j'espère qu'on se souviendra de moi comme un esprit authentique qui a essayé de défendre ses idées politiques à sa manière et surtout les idéaux qui sont défendus à travers ces idées politiques. Merci Majidou Kachal, vous êtes prêté à ce questionnaire. Regardez, on se souviendra de moi comme un vendeur de parfums. En effet, notre partenaire Terre de France revient. Vous savez, on avait présenté il y a quelques mois le parfum Nation, ça a eu énormément de succès et depuis, eh bien, cela a grandi, cela est devenu plus sérieux, plus beau aussi. Terre de France est un parfum au service de notre pays puisqu'il est imaginé et fabriqué en France. Et il invite aussi surtout à une solidarité nationale, puisque 100% des bénéfices sont reversés à des associations qui aident par exemple des agriculteurs, des militaires, des artisans, des écoles rurales et tant d'autres choses. C'est donc une belle action pour un beau parfum et qui n'est pas genré parce que maintenant il y a le parfum féminin, le parfum masculin c'est Santal Musc Blanc et le parfum féminin c'est surtout à base de clémentine et de réglisse. Voilà le parfum féminin. Tout cela est vendu sur le site de tvliberté.com, sur notre boutique. En choisissant le parfum Terre de France, vous rejoignez un mouvement de solidarité nationale envers ceux qui construisent et défendent la France. Faites grandir cet élan. Achetez le parfum Terre de France. Voyez, on essaiera de se souvenir de moi comme étant un vendeur remarquable. Merci. Allez, on se retrouve pour la suite. On va rentrer dans le vif du sujet quand même. À tout de suite. Violence et homophobie. Faut-il rééduquer les supporters ? Depuis la reprise du championnat de France de football, les incidents liés à des comportements présentés comme homophobes se multiplient.
Le gouvernement réprime systématiquement les attitudes discriminatoires, suscitant en retour une vive réaction des clubs de supporters. Et au final, faut-il rééduquer les supporters ? Violence et homophobie, faut-il rééduquer les supporters ? Vous intéressez au football, vous avez suivi les éléments. Est-ce que vous considérez qu'il faut rééduquer les supporters ? Vous savez, on les rééduque, des fois on les empêche d'aller au stade, des fois on les maintient sur zone, des fois ils doivent aller au commissariat de police pour montrer qu'ils ne sont pas dans le stade de football. On a commencé à les rééduquer. Est-ce que sur ce domaine-là, on est encore dans une phobie ? C'est pour ça que c'est intéressant. On verra qu'avec chaque sujet de ce magazine de TV Liberté Bistrot, eh bien, nous avons évoqué une phobie. Est-ce qu'il faut rééduquer les supporters face à la montée de l'homophobie dans les stades, notamment ? Alors déjà, je crois que cette question, moi j'y vois, on a de la chance en France, c'est que globalement, partout où on se balade, les lois sont les mêmes. On n'est pas dans une fédération d'États où tout d'un coup, quelque chose de légal peut devenir illégal, etc. Et je pense que la question de l'homophobie et du racisme dans les stades qui doit être combattue, pour moi, c'est une question qui doit s'inscrire globalement dans toute la société française. Ce n'est pas seulement dire, comme s'il y avait, si vous voulez, un traitement particulier, une punition particulière qu'il fallait donner au prétexte que la personne est raciste et ou homophobe dans le stade et pas en dehors. Et moi, je suis une espèce de criminologue amateur qui aime bien quand je me demande, quand je m'intéresse aux solutions qui sont proposées par des politiciens sur des crimes, des nouveaux types de problématiques qui sont criminalisées, je me demande toujours comment la personne en face peut réussir à les contourner. Et effectivement, déjà, je me dis, quand j'ai entendu parler de ça dans l'actualité, je me suis dit, vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'étais à l'école. C'est il y a longtemps. Oui, voilà, c'était le temps où il y avait des dinosaures. Et oui, en fait, quand un prof, par exemple, vous disait qui a mis une punaise sur ma chaise, si vous ne me dites pas qui c'est, je vais punir tout le monde. Du coup, moi, j'étais puni parmi tout le monde. Et je n'ai jamais apprécié ça. Je préfère l'individualisation de la peine. Et c'est vrai que je pense que dans un stade, il faudrait peut-être développer des technologies pour qu'on puisse repérer vraiment à l'individu près qui crie, qui fait un cri raciste, par exemple, ou homophobe. Et je n'aime pas l'idée d'interrompre tout le match, même si je trouve que ça a été plutôt utile en France, au sens où, par exemple, je me dis, si moi, je ne sais pas, je suis un supporter, mon équipe perd, et j'ai besoin tout d'un coup qu'il y ait un temps mort, on peut s'entendre à 20 personnes, chacun, on va se mettre à crier un truc homophobe ou raciste, et du coup, ça peut saccader le match. Vous voyez, donc, je pense que vite, des gens c'est vont essayer... C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit. Hein. Ah, bah, je savais pas. C'est exactement ce qu'il a dit, il ne faut pas faire ça, parce que... Vous voyez, vous étiez d'accord avec Marlène Schiappa. Je savais pas qu'il avait dit ça, mais en tout cas, c'est la première réflexion que je me suis faite. Et d'ailleurs, il y a même des tifosi italiens qui ont osé dire qu'ils n'étaient pas racistes contre un noir à qui ils avaient fait des cris racistes. Ils avaient dit, on sait très bien que ça va le perturber, lui, en tant que défenseur du camp d'en face. Et en fait, ils avaient dit qu'ils avaient tout intérêt à faire ça parce que ça pouvait le perturber psychologiquement, ça pouvait amenuiser sa capacité d'être bien concentré dans le match et ça pouvait jouer parfois pour une petite action éventuellement qui permettrait d'offrir un but. Bah, vous voyez, donc c'est une autre façon. C'est un phénomène classique de déstabilisation de l'adversaire. Quoi. Voilà. Voilà, donc moi, cette problématique, la première chose que je me dis, c'est on est globalement tous d'accord ici pour dire qu'on n'a pas à être raciste ou être homophobe. Il n'y a pas de problème, mais la première chose que je me dis, moi, c'est comment c'est, on peut c'est faire. C'est la même chose, racisme, homophobie, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un délit, c'est. Non, je pose la question parce que autant raciste, je comprends très bien, déstabilisé, je vous suis parfaitement. Mm-hmm. Pour l'homophobie, je. Alors, ça, c'est déjà plus compliqué si, pour plein de choses. Si en criant enculé, par exemple, alors, on a la volonté alors, de s'en prendre à combien de joueurs dans une équipe de football ? Je ne sais plus. 11, merci. Merci à la réalisation alors, de l'Europe. Que... Les 22 personnes qui sont visées et l'arbitre sont visés directement. En fait, on a une société. Même celui de touche. On a une société qui évolue et c'est vrai qu'il y a des gens, il y a 30 ans, qui disaient dans un stade Tarlouse ou enculé, ils estimaient peut-être pas forcément que ça avait une dimension de haine envers une personne. Et justement, aujourd'hui, peut-être qu'il faut ouvrir un débat dans ce pays pour savoir quel terme on peut employer ou pas. Non, moi, je dis ça parce que moi, par exemple, oui. Quand on pouvait crier « enfoiré » dans le temps, je pensais que ça pouvait être homophobe. Aujourd'hui, c'est Mimimati qui arrive et Goldman. Donc, si vous voulez, je vous pose la question, là aussi, les mots ont un sens. Est-ce que c'est directement homophobe de dire cela ? Je ne parle pas des banderoles, parce que les banderoles sont des réponses au ministre Roxana Maracineanu.
Eh bien, je ne sais pas, il faut peut-être un débat dans notre nation pour savoir ce qu'on entend par tel ou tel terme. Je sais, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, je sais qu'il y a par exemple, j'ai des amis noirs à moi qui peuvent appeler un autre noir, ça va mon noir, et je sais que ça ne passerait pas si c'était un blanc qui disait au noir, ça va mon noir. Vous voyez, la même expression qui pourrait paraître raciste par l'un et pas par l'autre. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'un gay pourrait dire mon PD préféré en parlant d'un de ses amis gays? Est-ce que peut-être un hétéro, s'il disait la même chose, est-ce que ce serait pas mal pris? Vous voyez, c'est aussi la question de... on est peut-être dans une société où certaines personnes peuvent dire des choses que d'autres ne peuvent pas dire, mais moi, je peux peut-être faire des blagues sur les Arabes et peut-être que vous, vous pourriez moins en faire parce que moi, je suis arabe. Ça, oui. Voilà, et c'est justement ça le problème, en fait. C'est, encore une fois, c'est le problème de la terminologie, exactement comme pour le débat sur l'islamophobie. Voilà. Donc, on ne peut plus rire de tout, mais on ne peut pas rire non plus si on n'est pas concerné par la blague qu'on énonce. Alors, est-ce que ça vous inspire? Oui, il y a quand même... Nicolas Gauthier, pour Boulevard Voltaire. On parle beaucoup de racisme dans le football, mais le racisme principal dont on ne parle jamais, c'est finalement Pierre ou Bernard Ménès qui l'a évoqué. Pierre Ménès, c'est un autre comique, mais ce n'est pas le même. Et c'est le racisme anti-blanc dans le football, ce qui fait que dans un gamin européen, dans un club de foot, dans certains coins, effectivement, Ménès expliquait ça à propos de son fils. Bon, il est resté 3 jours parce qu'il dit bon, on ne dit pas bonjour, on ne passe pas le ballon parce qu'il est blanc. Quoi. Alors, ça sera aussi intéressant de voir ça plutôt que des banderoles racistes, mais je trouve ça assez drôle. Là, on en fait une pour un football gay, GAI, c'était assez rigolo. Et puis, il faut savoir de quoi on parle, les supporters de football, ce n'est pas un salon littéraire non plus. Et effectivement, dire il n'a pas fait une passe de PD, c'est pas, je ne vois pas en quoi c'est homophobe. Et comme quand on dit ah oui, quel enculé cet arbitre. Je ne vois pas où l'homophobie, je ne vois pas où est ce que vous citiez sur les joueurs noirs qu'on déstabilise en poussant des cris racistes, je ne sais pas très bien ce qu'est un cri raciste, mais enfin bon, des trucs qui ne lui plaisent pas. Oui, c'est de la déstabilisation, mais c'est normal, c'est un match de foot, hein, ce n'est pas un concours de bridge. En revanche, le véritable racisme, c'est effectivement pourquoi toutes ces équipes, les blancs sont de plus en plus minoritaires, parce qu'ils n'ont plus accès aux clubs et aux écoles de foot. Ça, c'est un véritable racisme. Et Ménès a dû s'excuser de dire ça. Alors Ménès n'a pas été très précis, moi je pense, dans sa citation. Il a dit, il a été très rapide. Il a dit, je suis pas en train ni de le défendre ou le contraire. Il était très précis. Il a pas dit pourquoi. Moi je fais semblant d'accorder des bénéfices du doute systématiquement au camp d'en face. Je me dis, ça se trouve, c'est comme ça pour tous les gens qui rentrent dans le club où son fils est rentré, à savoir que quand on arrive et qu'on est nouveau, personne nous dit bonjour avant 3 ou 4 matchs. Si ça, il a jamais dit explicitement, ils lui ont pas fait de passe. Ou je me fais l'avocat du diable peut-être, mais ils ont pas dit, on te fait pas de passe parce que t'es blanc. En plus, il a même été maladroit, Pierre Ménès, parce qu'il a dit son fils était mauvais. Donc quelque part, il a donné un bénéfice du doute possible, encore une fois, mais il y a pas que Ménès. On sait que notre fine équipe de footballeurs milliardaires qui faisait grève en Afrique du Sud. Je crois que c'est Courcuf qui en a souffert aussi d'être isolé au sein de son propre groupe. Et là, on n'est pas dans une bande de Lascar de Cité. Je crois qu'on ne lui parlait plus, en fait. Voilà. Il lui parlait pas. On est dans une équipe qui apparaît-il nationale, mais qui ne chante pas la Marseillaise. C'est fini, ça. Ils s'y mettent. Grâce à Roxana, Maraciné, à nous. Ou grâce à Le Pen. Mais non, ça me semble être quand même un problème autrement plus grave de savoir si on dit quelques noms d'oiseaux dans un stade. Et comme ce qui est plus grave aussi dans le stade de football, c'est qu'ils veulent maintenant limiter la vente d'alcool sur le terrain. Mais en revanche, dans les tribunes avec les VIP, c'est le whisky, le champagne qui coule à flot. On n'a plus le droit de fumer dans les gradins, mais dans les loges, c'est cigares à volonté. C'est pour ça qu'il faut dénoncer les loges. Pierre Gentillet. Je voudrais réagir à ce que disait Nicolas sur deux éléments, enfin sur ce que tu disais sur le racisme anti-blanc. C'est intéressant de voir que... c'est ce que disait Pierre Ménès, c'est Pierre, hein, c'est ça son prénom, et il disait, si vous allez en fait dans tous les clubs d'Île-de-France, vous voyez qu'il y a 90% de personnes d'origine africaine dans les équipes, hein, il disait même plus que ça, il disait qu'il n'y a pas un blanc. Je note un petit élément quand même. Il y a très peu d'Arabes aussi d'ailleurs, ils sont souvent mis dans le même sac. Hein. Et ils ne courent pas assez vite. Je note qu'il y a une dissymétrie intéressante, une asymétrie intéressante, parce qu'on nous parle beaucoup aujourd'hui, ces dernières années, je ne sais pas si vous avez entendu, du fait qu'il faut de la diversité, qu'il faut moins de mâles blancs qui dirigent partout, il faut une politique de diversité. Je note que cette politique de diversité, dans les équipes de football d'Île-de-France, on ne la pose pas. Et il n'y en a aucun de plus de 50 ans. D'accord, mais vous allez mettre vos enfants à faire du football ?
Bon, je sais pas, ils font ce qu'ils voudront. Hein. Mais, non, mais je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ne mettent pas, leurs enfants au football et qui les mettent au rugby et à l'escrime ou au handball? Ils football, ils feront du football, mais ils le feront pas. Non, mais c'est ça la réalité. Je vais terminer. Gérard Martial, j'ai mis mon fils aîné dans un club de foot quand il était jeune en banlieue. Il lui est arrivé exactement ce qui est arrivé à Ménès. Et juste pour rebondir sur un deuxième aspect, ce qui est très intéressant, c'est le traitement médiatique qu'on a fait de cette histoire avec Pierre Ménès, qui a paraît trop pédalé, mais qui, bon, au fond, a pas cherché trop à pousser. Sur le coup, il a été courageux, hein, faut quand même le reconnaître, parce qu'il y est allé alors qu'on ne lui demandait pas d'aller aussi loin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction quasi pavlovienne, épidermique de la gauche là-dessus. Mais je pense, et je vais peut-être vous surprendre, je pense que c'est une réaction sincère, parce qu'ils ont, et je vais essayer de l'expliquer, un cerveau marxiste, je suis très sérieux, atrophié, qui les empêche de voir le racisme dans une dimension globale. Ils disent, leur réaction est très intéressante, c'est de dire, ils réagissent avec humour, ils disent, est-ce que vous avez déjà vu qu'on refuse à un blanc l'accès à un emploi, l'accès à un logement, qu'il y a une discrimination d'État, etc. Ces gens ne conçoivent le racisme que de manière verticale, parce que dans leur cerveau marxiste, le racisme, c'est forcément une action du blanc qui est censé être le plutôt dominant, parce qu'il a un capital plus important. Oui, parce qu'il y a 70 ans, ce pays était composé à 99% de blancs, donc on peut supposer que c'est logique, que c'est un fait historique, qu'effectivement les blancs ont en France généralement un capital plus important en moyenne, et que du coup l'opprimé, eh ben, ce serait le noir, l'arabe, la personne qui est venue récemment, ou par famille venue récemment. Et donc du coup, ils ne conçoivent le racisme qu'entre celui qui opprime et l'opprimé. Donc c'est une version verticale, c'est une version marxiste en fait. Et leur cerveau marxiste ne veut pas concevoir un autre racisme, qui est le racisme horizontal, qui est le racisme des populations entre elles. Parce que précisément, qu'est-ce qui se passe quand on parle de racisme anti-blanc? C'est pas un racisme vertical, bien sûr qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc sur l'embauche, etc. Mais il y a un racisme horizontal tellement important que c'est le plus important, c'est le racisme anti-blanc, racisme horizontal, c'est-à-dire des populations entre elles, dans le 93, dans des populations dans les banlieues. C'est le racisme entre populations, de ceux qui ne sont pas blancs contre ceux qui sont blancs, entre opprimés. Et ça, le cerveau marxiste atrophié de gauche, je termine, ne peut pas le concevoir. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que dans toutes les rédactions, dans toutes les lapsus, parce que c'est pareil, les rédactions sont de gauche, sauf les bonnes rédactions, dans toutes les réactions que j'ai entendues de gauche, ils ne peuvent pas le concevoir, parce que le cerveau ne peut pas concevoir ça. Voilà, c'est Pierre Gentilier, vous êtes formidable. Vous m'avez à la question, faut-il rééduquer les supporters? Vous me dites qu'il faut rééduquer les rédactions. Il faut rééduquer la gauche. Et la gauche, d'accord. Est-ce qu'il faut rééduquer les supporters? Est-ce que vous considérez qu'il faut enlever trois points victoire à l'équipe qui a été incriminée dans des faits homophobes? Je suis d'accord avec Majid Oukacha, c'est-à-dire que je suis pour l'individualisation. Et puis je vais vous dire une chose, je pense que c'est contre-productif. Parce que je vais vous dire un truc. Si demain, j'aime pas trop le foot, enfin, j'ai fait du foot quand j'étais plus jeune, mais ça m'intéresse plus trop, mais admettons, je vais voir un match de foot, et il se trouve que je suis dans la partie des supporters où l'équipe est en train de perdre. Bon, et bien sûr, on me dit qu'on annule le match parce qu'il y a des cris homophobes. Bah, écoutez, je vais vous dire, je ne sais pas si je vais les chanter moi-même, évidemment, je ne le chanterai pas parce que c'est condamnable, etc. Mais je pense que ça ne va pas du tout dissuader les gens de chanter. Parce que si l'équipe est en train de perdre le match, bah, vous avez juste à chanter un chant qui fera interrompre le match et le match s'arrêtera et le match sera annulé. Donc c'est contre-productif, cette histoire. Francis Bergeron, je donne la parole à tout le monde. Francis, allez-y, je vous en prie. Moi, je voudrais justement revenir sur le match. On parle de quel mot parle-t-on? On parle essentiellement, je crois, du mot enculé. Est-ce que le mot enculé, c'est un mot anti-homosexuel, ou est-ce que c'est pas tout simplement une grossièreté, un gros mot, une grossièreté, une saloperie? Moi, je considère que les gens dans les stades ne sont pas. Ça rejoint d'ailleurs ce que citait l'un de vous, c'est que les gens dans les stades, ils sont là pour injurier l'adversaire, ils ne sont pas là pour se lancer dans des théories sociétales décidant de discriminer des gens qui ont des morts homosexuels. Voilà. Donc on est dans un faux débat. Voilà. On est dans un débat aberrant. On est dans le débat de la grossièreté. Faut-il interdire la grossièreté? Mais c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, là, ils ont fait arrêter les matchs. Mais pourquoi Macron, maintenant, revient là-dessus? Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que dans toutes les tribunes, on crie « enculé ». On ne criait enculé que dans certaines tribunes, mais d'après ce que j'ai compris maintenant, c'est tout le stade qui crie enculé, et notamment contre la Ligue de football, etc. Donc on est dans un schéma où il n'y aura plus de matchs de foot, parce qu'il n'y aura plus de spectateurs, donc il n'y aura plus personne pour payer les places. Donc ils sont dans une impasse. Et qui
nous a mis dans cette impasse. Les supporters y votent en plus. Qui n'est pas fou, Macron. Oui. Mais qui nous a mis dans cette impasse, c'est l'ultra-minorité d'intégristes de l'homosexualité qui considère que quand on crie enculé dans un stade, quand 10 000 personnes crient enculé en désignant 12 ou 24 joueurs qui ne sont pas ou souvent, des homosexuels, ou souvent l'arbitre, à ma connaissance, ou l'arbitre, qu'ils connaissent pas. Ou l'arbitre ne pense absolument pas au mot qu'ils emploient, mais emploient un mot pour blesser, pour agresser. Oui, mais dans la vie réelle, on pourrait vous rétorquer que dans la vie réelle, si vous dites ça, si vous dites ce terme enculé à un juge ou à votre voisin avec qui vous êtes en conflit, ça peut être considéré comme un outrage ou une insulte. Sauf que Majid Okacha, dans la vie réelle... Oui, une injure, mais d'accord, bien mais dans sûr, la vie réelle, mais un juge à qui on dit ça... Eh bien, il va réagir. Et pourquoi ce ne sera pas une insulte dans un stade, alors? D'accord, mais enfin, on le dit aux policiers. Parce que c'est... On le dit aux policiers. Ça ne vise personne, en fait. Ça vise un pays, ça vise une équipe. Moi, j'aime bien me faire l'avocat du diable, j'aime bien toujours trouver les failles, et je vous dis... Regardez les vidéos sur les policiers, quand on insulte les policiers, j'entends quand même ces mots dans les cités. Hein, c'est ceux qui ont une responsabilité, Francis Bergeron aussi, c'est ceux qui ont permis que ces grossièretés qui étaient utilisées par une toute petite infime minorité soient aujourd'hui la grossièreté de base que l'on entend dans les écoles et dans les maternelles. Oui, dans les cours, tout le monde s'appelle comme cela. Et c'était mon propos. Je vous en prie, je vous ai coupé, je vous ai attaqué. Pas de souci. C'était mon propos liminaire de départ et en fait, c'était vachement, comment dire, intuitif. J'avais dit, moi, je voudrais des lois qui soient dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères de notre pays et qu'il n'y ait pas des lois à l'intérieur des stades et en dehors des stades. Et du coup, on vient d'illustrer ça par notre échange. Soit enculé, c'est une insulte dans le stade et c'est une insulte devant le juge, soit c'est une insulte dans aucun des deux. Une insulte dite sur l'air des lampions par 100 000 personnes, c'est pas une insulte. Moi, cri de guerre. Je voudrais des lois qui soient binaires et facilement compréhensibles. Ça veut dire qu'à la sortie des stades, on met des goulots d'étranglement. Il y a déjà trop de morts en France, c'est bon, ça va. Les films qui ont été pris avec la tête des gens. On poursuit. Alors, Philippe Ménard, Jérôme Jadot, l'ancien gardien de la Saint-Étienne, Jérémy Jadot, était un chaud partisan dans le chaudron. Vous étiez toute la journée pour défendre les Verts. Et lui, il dit, c'est pas du racisme, c'est du chambrage, de la déstabilisation. C'est un peu ce que disait Majid Okacha. Olivier Rouillet lui répond, il est ancien joueur de l'équipe de France, les insultes homophobes, on ne voit que ça au foot. Il faut donc carrément retirer les 3 points de la victoire à l'équipe incriminée. Olivier Rouillet a été un des premiers joueurs de football à faire ce qu'on appelle son coming out, c'est-à-dire de repréciser son orientation sexuelle. Moi, je considère que ce terme « enculé » est en fait très mal interprété, mais parce qu'il y a une appropriation culturelle, comme dirait la gauche, du terme « enculé ». C'est-à-dire, le terme « enculé » désigne une sodomie et on considère que forcément, ça signifie que ceux qui pratiquent la sodomie sont homosexuels. Pas du tout. En fait, ceux qui pratiquent la sodomie peuvent être aussi des groupes qui considèrent qu'il y a un soumis et il y a un soumettant. Et le soumettant encule le soumis. Et le soumettant, donc, en sodomisant le soumis, témoigne non pas d'une adhésion pleine et entière à l'homosexualité comme mode de vie sexuel, mais au contraire à l'affirmation d'une autorité. Lorsque nous crions « enculé », je n'aurais pas trouvé ça tout de suite. Mais voilà, j'ai réfléchi. Martial, vous m'avez permis de réfléchir au mot « enculé ». Peu de gens peuvent se targuer de m'avoir fait réfléchir sur le mot « enculé ». Et j'étais heureux de vous le soumettre. De la part des homosexuels, une espèce de paranoïa qui signifie qu'une pratique ancestrale, y compris animale, qui consiste à faire en sorte que le mâle dominant fasse comprendre à celui qui débarque, à celui qui est pubère, à celui qui est le dernier de la tribu, à celui qui est le dernier de la communauté, etc., qu'en fait, il n'est rien, et on lui fait comprendre d'une manière physique pour que ça s'imprime bien, est devenu le signe, en fait, exclusif, et une fois plus, il y a de ces gens qui prônent la diversité. Oui. Il y a une réduction terrible qui fait que cette pratique qui, en soi, ne signifie... Enfin, a plusieurs significations, est brusquement réduite à sa seule signification de « je préfère les hommes ». Pas du tout. Donc, lorsqu'on interdit aux gens de crier enculé, on interdit en fait ce qui est véritablement en jeu dans un stade, qui est un rapport de domination. Il y a une équipe qui va gagner et il y a une équipe qui va perdre. L'équipe qui va perdre, ce sont les enculés. L'équipe qui va gagner, ce sont les enculants. Donc moi, je propose d'ailleurs que dans le stade, on crie enculant au moment où il y a une victoire. À chaque but, il faudrait que l'ensemble des supporters crient enculant, enculant. Voilà, parce que voilà, on réattribuerait en fait... à ce terme, sa véritable force, qui est uniquement une force de soumission et pas du tout une force sexuelle. Excusez-moi, mais...
Je l'ai préparé pendant longtemps, celle-là, ça me démangeait un peu. D'accord, mais voilà. Bon, déjà, j'ai l'impression, même sans. Enfin, que vous avez peut-être essentialisé un petit peu. Parce que vous avez dit les homosexuels, et ça m'a. Ça, je me suis dit, vous avez peut-être un peu essentialisé les points de vue qui doivent être aussi alors, divers. Disons, les organisations homosexuelles prétendument représentatives. Voilà, parce que vous avez dit. Parce que je considère, moi, qu'il y a autant d'avis que chez les hétérosexuels. Deuxièmement, vous confondez, excusez-moi, j'aime pas être vulgaire pour cette discussion, mais enculé et enculeur, parce que enculé, ça veut dire celui qui se fait enculer. Oui. Et vous, vous avez amalgamé les deux. Là, vous je avez, pensais pas vous qu'on avez ferait 25 ans. Minutes ouais, sur mais le je suis terme. Désolé, Et troisièmement, et troisièmement je comprends pas. Et là, j'attends le dessin. Parce que vous avez dit, vous avez enculé, ça veut dire celui qui subit ça. Et vous, vous avez, dans votre définition, dit que c'était une personne qui le faisait subir à quelqu'un d'autre. Ah non, mais non, ce programme est interdit au moins de 18 ans. Merci Arnaud, soyez le préciser. Il y a un enculé et un enculant. C'est ça que j'ai dit. Non, alors on a bien compris. On a bien compris. Les mots ont un sens. J'ai bien compris. Sans compter les couples hétérosexuels qui la pratiquent. C'est ce que j'allais dire. Oui, voilà, c'est mon dernier point. Non, mais c'est pour ça que je parle de rapport de domination. C'était bien de remettre au préservatif avant. C'était bien de le préciser. C'est le bien de le préciser. Vous avez bien fait de le faire. Il n'en... Est-ce que... C'est ma question. On va poursuivre avec ceux qui n'ont pas pris la parole. Est-ce qu'il faut rééduquer les supporters ? Et moi, je sais que les mots ont un sens. Il se trouve que la communauté LGBTQQIP2SAA et elle considère que ces termes-là sont des termes infamants et qu'ils répondent, bien évidemment, à une notion qui doit être criminalisée. Hein, que ce soit les lesbiens, les gays, les bisexuels, les trans, les queers, les questioning, les intersexuels, les bisexuels, les two-spirited ou les asexuels ou les alliés, eux considèrent cette communauté qu'il faut... eh bien, criminaliser cela. Donc après, vous pouvez vous entendre sur les termes avec autour de ce nom d'oiseau, eux ressentent cela. Donc je pose la question à nouveau, faut-il rééduquer les supporters ? C'était ça ma question. Et les automobilistes aussi. Parce que ce genre d'injures, on l'entend très souvent. Et les automobilistes, surtout j'accepte l'amendement. Et les contribuables. Et les contribuables. Et les fumeurs. Qui est-ce qui n'a pas pris la parole ? Philippe Randa. Oui, je voudrais poser une autre question. Ah ben voilà, comme ça au moins, ça aurait de mérite. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir quelle est l'explosion, non pas de l'homophobie, parce que moi, je n'aime pas le terme phobie, la peur, on ne sait pas ça, la détestation des homosexuels brusquement, de gens qui n'avaient rien contre les homosexuels et qui maintenant font dire, ils nous en... Permettez-moi un gros mot, mais on voit, après enculé, ils nous emmerdent à nous parler de ça sans arrêt, à revenir sans arrêt sur les problèmes, est-ce qu'on aime les homosexuels, est-ce qu'on les aime pas et tout ça, à des gens qui n'en avaient strictement rien à faire dans un stade parce de football. Parce que les générations ont changé, est-ce qu'on a le souci de l'inclusivité pour les nouvelles générations. Alors, dans les centaines de milliers de supporters c'est pas mal, là, qui, lorsqu'ils s'appropriaient ce mot et qui n'avaient évidemment ne visaient absolument pas la communauté homosexuelle, ne pensait évidemment pas à des homosexuels. C'était une grossièreté parmi d'autres, une grossièreté qui, hélas, je le déplore, mais c'est comme ça, est passée dans le langage courant de tout à chacun, parce que, il faut l'admettre, c'est un mot qui vient aujourd'hui spontanément à l'esprit dans un moment de colère, ou dans un moment d'enthousiasme, ou dans un moment où on a besoin de réagir à tout le monde. Et personne ne pense à la communauté homosexuelle. Vous ne pensez pas que ces milliers de supporters vont se dire « Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous casser les pieds ?» Je vais être gentil, casser les pieds. Là, on n'en a rien à foutre des PD. Parce que c'est ça le problème. Et là, brusquement, ils vont se dire « Les homosexuels, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui viennent ? Ils sont une minorité, ils sont 6% dans la société. Ils ont toujours été 6%. » Peut-être qu'ils souffrent un match dans un stade où on était tranquille. Je vais faire rapidement un petit cours d'histoire. Parce qu'il ne faut pas globaliser. Je vais juste remonter... aux amis Mitterrand, à l'élection de François Mitterrand, qui a, lui, fait un acte pour la communauté homosexuelle, c'est-à-dire de supprimer les lois homophobes. C'était en 81, à son accession. À l'époque, à part un ou deux ronchons très conservateurs, très croyants, très ce qu'on veut à l'Assemblée, personne n'avait trouvé rien à redire à supprimer toutes les lois homophobes qui interdisaient aux homosexuels d'accéder à certaines professions, d'accéder à certains lieux, d'être de notariés publics. C'était un délit, l'homosexualité, avant. Lui, il a supprimé ça, personne n'y a trouvé rien à redire. Et à partir de ce moment-là, plus personne, l'homosexualité s'est écroulée. Personne, à part quelques tarés qui voulaient se taper du PD, vraiment très minoritaires et qui malheureusement existeront toujours, on foutait la paix aux homosexuels. Donc vous revendiquez le droit à l'indifférence. Ça rebondit 20 ans après avec le PACS, et même au temps du PACS,
c'était très mitigé, mais on allait redonner un des droits et on a institué le Pax. Le Pax, je rappelle, une fois que la loi est passée, il y a 10% des gens paxés qui se revendiquent homosexuels. 90% des gens paxés étaient des hétérosexuels, des frères et sœurs, des compagnes, compagnons, qui voulaient payer moins d'impôts, parce que ce n'était pas un problème sexuel, ce n'était pas un problème d'amour, c'est juste un problème d'impôts, le Pax, hein, c'est clair. Et ça a rebondi vraiment l'homophobie, la détestation des homosexuels, où brusquement des gens se sont dit « Non, les homosexuels, on n'en peut plus », avec le mariage pour tous. Et là, maintenant, ça arrive sur le terrain des supporters, le terrain du football, et là, il va y avoir un ras-le-bol général. Et là, le problème, ce ne sont pas les homosexuels nantis du Marais ou ailleurs qui vont en souffrir. Ça va être les pauvres homosexuels qui sont dans des lieux, dans des banlieues ou dans des endroits désertiques, qui, eux, vont capitaliser toute la détestation de ces gens qui en ont ras-le-bol, qu'on ramène tout, leurs problèmes LGBTQ, 2xQ3S, XYZ. Ils vont en avoir ras-le-bol, et là, ils vont se faire lyncher. Et on va revenir à ça. Les gens qui ont des ennuis... Francis Bergeron, qui ont des ennuis sur le terrain, et qui se font agresser, ils se font agresser par... Il y a quelques cas récents, on voit bien par qui ils se font agresser. Dans les banlieues, à Paris, forte proportion immigrée, c'est clair. Voilà, il y a une loi qui a fait... Quelqu'un avait eu l'idée, je ne sais plus quel député, de faire criminaliser l'homo... Alors, ce que lui appelle l'homophobie, de le mettre sur le même rang que le racisme. Il voulait faire que ce soit les mêmes délits, la même peine. Et brusquement, on a dit, oh là là, on ne fait pas ça, parce que, attendez, quels sont les actes homophobes aujourd'hui en France? C'est à une énorme majorité des actes dans les banlieues commis par des gens d'origine extra-européenne. C'est culturel, et là, donc, ça rejoint ils ont arrêté ce que de criminaliser, ils ne voulaient surtout pas l'homophobie. Alors maintenant, ça revient sur le débat médiatique, ça revient sur les terrains de foot, mais je pense que les conséquences pour la communauté homosexuelle, ça va être dramatique. Non pas le mot enculé qui est dit à tort et à travers pour tout et rien, mais ça va être pour leur communauté directement en disant « ils nous emmerdent ». C'est le dernier mot. Ça va être le plus poli qu'on ait pu prononcer ce soir autour de ça. J'ai essayé de faire soft, ce qui était facile après tous vos propos. Majid Doukacha, merci beaucoup de vous être prêté à ce sport, si j'ose dire. Et les projets. Était une fois l'islam, ça c'est un livre, mais qui commence à avoir. J'ai terminé mon second livre, qui est un roman. Là, je suis dans la phase de relecture multiple avec de multiples relecteurs et il devrait sortir peut-être dans les prochaines semaines, je l'espère. Avant Noël. J'ai décalé l'écriture de mon second livre sur la criminalité qui, à l'origine, était un essai. Et du coup, je vais le remanier de manière à en faire un roman. Je préfère en faire un roman, en fait, qui va présenter plusieurs personnalités qui, à travers différentes époques, que ce soit genre à la limite du paléolithique jusqu'à... deux derniers chapitres qui présentent même une France futuriste de deux façons différentes, une France genre Big Brotherienne et puis une autre France, et en fait différents regards de différentes personnes qui vous parlent de la criminalité, du point de vue politique qu'eux-mêmes en ont et d'une place précise qu'ils ont à travers la société française ou pas forcément française. Donc voilà, donc là je vais avoir un roman qui va sortir, qui n'a rien à voir avec l'islam pour le coup, c'est mon second livre, dans les prochaines semaines, je l'espère. Et puis un troisième roman, un petit peu plus tard, d'ici une à deux années, voilà, sur la criminalité. Eh bien, nous serons ravis de vous accueillir. Je vous félicite pour votre courage, parce que ce n'est pas simple que de transmettre le message que vous transmettez. Ça ne va pas sans menace, je le sais, et je les ai vus. Donc, je peux en témoigner. Merci à vous. Francis Bergeron, on se retrouve, nous, à Orange. Le 21 septembre, on se retrouve avec des lecteurs de présent qui veulent nous rencontrer. Avec des spectateurs de TV Liberté. Spectateurs de TV Liberté, sur les pas des martyrs d'Orange, des 32 religieuses qui ont été martyrisées en 1799, quelque chose comme ça. Et donc, on se retrouve pour un déjeuner débat avec... On parlera de la presse libre. ...et téléspectateurs. Voilà. Oui. Je serai accompagné de mon amie Anne Brassier, l'animatrice, bien connue de Perles de Culture de mon côté. Je serai ravi de vous voir. Mais alors, il y a un numéro pour s'inscrire, parce que c'est 01 42... Je crois que le mieux, c'est de contacter le journal présent.
D'accord. Où on prend les enregistrements. Regardez sur le site de Présent. Ouais. Enfin, débrouillez, ben, achetez Présent en kiosque. Enfin, on vous attend le 21 septembre. On sera ravis d'être à Orange. Merci à vous tous. Merci Philippe Ménard qui est déjà sur l'écriture du prochain Politique Magazine. Ce mois-ci, c'était sur quel thème ? Eh bien, l'Union européenne. L'Union européenne, bon, c'est un thème dont on parlera encore longtemps. Merci à Boulevard Voltaire, merci à Euroliberté, merci à Pierre Gentillet. Oui, ben là, vous avez fait votre pub. Non, il faut en faire encore un petit peu, là. Bah, aussi, je pense qu'on n'en fait jamais assez. Voilà, on n'en fait jamais assez. Faites comme chez vous. Et puis, n'oubliez pas les parfums Terre de France en allant sur la boutique de TV Liberté. On se retrouve dans 14 jours. Merci aux téléspectateurs, merci au public des donateurs. Et puis, bien sûr, merci aux techniciens avec Arnaud Soyer, la voix, et puis, bien évidemment, le réalisateur. Raphaël Daudeville ainsi que tous les techniciens qui étaient là ce soir avec nous pour cette émission. On se retrouve exactement dans 2 semaines. À très bientôt. Au revoir.